je cote mon front contre ton front. T'as un problème, fils de pute. Là, je craque, je craque, fils de pute. T'as un problème, salope, crise toi. Qu'est-ce qu'il y a sur toi? Tu pètes les couilles tous les jours, toi, salope forêt. Ah, tu veux que je craque? Tu veux que je craque, salope forêt? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Eh, lâche-moi, sale bâtard, lâche-moi. Tu fais quoi là? Lâche-moi, la pote. Eh, viens-toi, un mort, dites non. Eh, pourquoi tu mets 35 fils de pute? Me touche pas, je t'allume ta mère! Me touche plus jamais, sale fils de pute! Ah oui? C'est toi qui est venu de t'allumer à lui, non? Bon, touche-moi, je t'allume! Tu mets ton main directement sur mon pote, tu crois que je suis pas ton copain? Sale enfoiré, ma! Eh, ferme-le avec tes mains. Tu prends le coup de tes avec aussi, comme tes collègues. Ouais, poteau, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatsu. En avance. Allez-y. Fais la marche, nickel. Après je cherche des personnes tous les jours en ce moment, je comprends rien. Ok Arki, écoute. Parce que Javier, bon, vu qu'il n'y a pas game, ça pue la merde. Tu vois, parce qu'en gros on joue un petit peu à deux. Hier je suis parti faire un biker parce que je voulais m'amuser avec Hidataire. Et alors, aujourd'hui, un autre il m'a demandé de prendre Soulax pour jouer Soulax. En gros, ça m'arrange aussi parce que j'aime bien jouer Soulax. Oui, c'est vrai que peut-être pour YouTube ça doit être dur à suivre. Ça leur fait plein de hors-série et tout, ouais, je comprends. YouTube ils doivent chialer peut-être. Mais grosso modo, c'est ça. Et Soulax, moi, c'est toujours un perso que j'ai toujours bien aimé jouer. J'aime tout le temps bien jouer Soulax. Dans 3, 2, 1. Descendez pas. Ok. Allez, marche dans ce masque. Occupé deux fois, pas besoin de 35. J'étais content pour lui, je pense qu'ils vont kiffer Soulax aussi. Ok, bon, cool. 75 à 93, CPH s'il te plaît. C'est pas, tu vas voir ces enfoirés. Waouh, waouh, je pense qu'il faut le tank. Soulax, tank. J'y vais. Normalement, si je suis toujours bon, masterclass. C'est à gauche, mais reculez derrière le lieutenant là. Hey, Blue, derrière. On met une belle ligne derrière votre lieutenant, messieurs dames. Blue, viens à droite. Hein. Qui sait conduire cet engin, s'il vous plaît? C'est vrai. Oui. Mais tu as un problème? Un problème, Cortex? 05 pour 69. Ah, aucun problème, comme 4. Tu peux voir, l'armée est venue en renfort. Effectivement, j'ai failli être déçu. Par contre, j'ai cru que t'allais pas respecter ce que t'avais dit. Ton putain de toc, t'avais dit que tu ramenais, c'est bien. Hein. Ouais. Donc. C'est pas mieux de venir un petit peu équipé aussi quand même. On a vu. Ouais, effectivement. Comment il fait pour rester stable comme ça? Et quoi est-ce que vous ça, allez faire enfin votre putain de travail? Il est trop fort. Comment ça, dis-moi. On est obligé de récupérer les gens qui ont des bracelets chez nous apparemment. Pour les dégager chez vous. Ouais. On a fait quelque chose aujourd'hui, dis donc. Dadam, je suis sur le site. Les a récupérés après. Frontière ou pas? Oui, on vous les a donnés. On vous les accompagne avec un petit paquet cadeau en plus quand même. C'est fou. Ok, reçu. De 27 ou 18, c'est la dernière fois qu'on revoit des personnes avec un bracelet sur votre territoire, ça sera une trahison. Trahison de votre côté parce que vous laissez passer des personnes avec des bracelets, effectivement. Oui, une trahison du vote parce que vous les invitez dans votre putain de palais. Ah bon? On les a pas invités à la base. Hein. Ouais, mais ils ont été localisés dans votre putain de palais de merde. Commencez à fouiller correctement les choses, d'accord? On a trouvé pas mal de choses de personnes qui venaient de Los Santos. Qui ont été désarmées, des choses comme ça, quand même, sans béton. Hein. Vous essayez d'attaquer quelqu'un ou pas les causes, hein? Allez plus fort, espèce de branleur. L'impression que toi, des personnes incompétentes parmi tes rangs. Oui, effectivement. Que toi. Plus incompétent pour essayer de donner des coups de véhicule et essayer Ok, je vais laisser du coup le capitaine et le commandant vous parler parce que moi ça va dégénérer dans ma tête sinon. J'ai l'impression que t'attends que ça, Cortex. Hein. Cortex, pardon. Bon, allez-y, lieutenant, vous gérez ça. Hein. Vous gérez ça très bien. Oui, vous êtes bien, lieutenant. Là. Continuez. Là, écoutez. Là. C'est la dernière fois qu'on voit des enfoirés revenir avec de la drogue dans nos territoires. C'est votre travail de filtrer, notre travail de filtrer aussi. Hein.
Ouais, mais ils viennent sans rien, ils repartent avec quelque chose, sale enfoiré. Effectivement, et ils viennent sans rien, soi-disant, on les récupère avec des armes automatiques ou des armes lourdes de votre côté, donc bon, hein. Oh, ça, je pense que c'est plutôt du vôtre, vu votre ah équipement. Oui. On trouve même des sans-papiers cachés dans des coffres, quand même. Ça, c'est fort, hein. Sans-papiers cachés dans des coffres. Oui, effectivement, oui. Je reste derrière vous, vous prendrez les balles pour moi, si jamais. On va s'approcher parce que c'est moi qui t'entends murmurer comme une salope. Ah bon ? Je suis en train de gueuler pourtant comme il faut. Hop, je cote mon front contre ton front. T'as un problème, fils de pute ? Là, je craque, je craque, fils de pute. T'as un problème, salope ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu pètes les couilles tous les jours, toi, salope forêt ! Ah, tu veux que je craque ? Tu veux que je craque, salope forêt ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ton problème ? Eh ? Eh, lâche-moi, sale bâtard ! Lâche-moi, tu fais quoi là ? Lâche-moi, là, pourquoi tu m'étrangles ? Eh, viens-toi, un mort, dites-nous, hein. Eh, pourquoi tu m'étrangles, sale fils de pute ? Me touche pas, je t'allume ta mère ! Me touche plus jamais, sale fils de pute ! Ah oui ? Il était venu me calmer parce que je vois que tu m'étendais. Oh, touche-moi, je t'allume ! Tout met ton main directement sur mon épaule, tu crois que je suis quoi, ton copain ? Sale enfoiré ! Eh, effectivement. Tu prends beaucoup trop tes aises. Tu veux juste baiser avec aussi, comme tes collègues, hein ? Les tourelles en premier, si jamais. Ah ! C'est ça que tu veux faire ? Tu veux m'amadouer ? Ça ne marche pas avec moi, Cortex. Capitaine, je vais craquer, capitaine! Ah bah, bien! T'es pas accompagné par ton petit chien Babongo là? Capitaine, reprenez le relève, je vais craquer moi! Ah. Bien, alors bonsoir messieurs dames! Bonsoir capitaine, vous allez bien? Où est sur de vos tourelles, hein? C'est pas ce qui va faire parler aux États-Unis d'Amérique, hein? Je sais bien. Ça, il a annoncé Zach! Toutes les personnes que vous voyez derrière moi, d'accord, sont intelligents et répondront toujours de la même manière, d'accord? Il faut y croire à votre truc quand même, capitaine. Non. Je vous respecte, mais bon, il y a des choses où là vous êtes... Vous pouvez faire atterrir l'hélico aussi, hein, si jamais. Oui, c'est vrai. Vous pouvez atterrir derrière. Oui, vous saviez déjà, en vrai de vrai. Et maintenant, vous savez... Ah bon, j'ai pu comprendre qu'il y a eu des petites tensions ces derniers jours. Tu peux atterrir. Votre cortex, il freeze l'incident diplomatique. Alors... Vous vous informez, Argento... Vas-y, développez. Hier, il est venu percuter directement des agents. Et la milice. Directement de notre côté de la frontière. On a blessé... Là, vous parlez de la frontière. Mais le début... À le début, quoi. Des provocations de sa part. Non, vous avez tiré dans notre direction. Vous avez ouvert le feu en premier. En aucun cas. Eh, ça a arrêté de mentir, on a ramassé la balle. En aucun cas. La balle vient d'une AK-47. M'oblige pas à sortir des choses que tu veux pas que je sorte, Cortez. Sors-les, salopard. J'ai rien à cacher, moi. God bless America, vive mon pays, vive ma patrie. Oui. Des choses du type que tu veux absolument déclencher des guerres et tu feras tout pour. Oh, la capitouche. Hein? Écoute, moi je suis pour l'Amérique, si vous offensez mon pays, je vous envoie en enfer, bande d'enfoirés. Oui, capitouche. Tu vas boire beaucoup, hein. Ouais, et j'attends que le capitaine me laisse mordre. C'est comme un chien en fin de vie, il aboie, mais jamais il ne meurt parce qu'il n'a pas de dents. Effectivement. Capitaine, vous avez vu, hein, comme il parle, je vais craquer. Hein. Bon, écoutez-moi. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde que ça se passe bien. Si vous me connaissez pas, je suis commandant suprême sous l'axe, d'accord ? C'est-à-dire que toutes les unités derrière, elles sont à mes ordres. Si jamais il s'avère que ça se reproduit, qu'il y a des coups de feu qui sont échangés entre nos deux frontières, on va devoir passer en état code rouge et on devra vous faire la guerre et je pense que c'est pas ce que vous avez envie. Je pense, comment vous appelez, Cletus ? C'est ça ? C'est ça, oui. Je pense que vous pouvez faire croire à vos hommes derrière que c'est vous les plus forts et tout, mais vous savez très bien que si jamais il y a une guerre qui explose, on fera qu'une bouchée de vous, d'accord ? Donc tenez-vous à carreau et essayez de faire en sorte que ça se passe bien. Bah, commencez à tenir vos hommes aussi, voyez. Super, moi je vais... La chose étant, voyez, comprenez bien les choses. Je vais le faire et c'est déjà fait, puisque vous voyez bien que Cortez n'a toujours pas ouvert le feu sur vous. Très bien. Et je pense que c'est pas l'envie qui lui manque. Non, c'est la peur. Oui, si vous voulez... J'ai pas peur de vous, je respecte les ordres. C'est bon, Cortez, c'est normal, s'il leur parle tous les jours, évidemment qu'il pense que... Je pense que vous savez très bien qu'on connaît les limites des choses aussi par la même occasion. En aucun cas un tir a été fourni sur des personnes, à l'exception du moment où ils ont attaqué du véhicule qui a percuté à la frontière et blessé quelqu'un. Va-t-il a foncé dedans. En aucun cas il a tiré dans le territoire. Oui, super. Dans un territoire neutre. D'accord. Plus jamais de coups de feu. Plus jamais de coups de feu. Si jamais il s'avère encore une fois qu'il y a des gens qui ont des bracelets électroniques qui rentrent chez vous et qui se réfugient chez vous, on enverra des hélicoptères, on enverra des brigades fantômes, des trucs d'élite qui viendront les récupérer, d'accord ? Non, par contre, ça c'est de votre côté de les filtrer aussi. Les bracelets, on va pas pouvoir les filtrer tous sans exception si vous les filtrez pas aussi. Écoutez, on va le faire des deux côtés. À partir du moment où nous ça passe entre les mailles de notre filet et que vous les laissez passer, ça sera votre problème aussi. Effectivement. Super. Y a autre chose ? Non, nous deux. Ouais, pourquoi quand ils viennent, ils ont pas de drogue ? Et quand ils repartent, ils ont de la drogue, les enfoirés.
Pourquoi quand ils partent de chez vous, ils partent avec rien du tout et qu'ils reviennent, ils ont des canonciers et des armes automatiques? Ah, ben là, c'est pas... C'est ça le problème. En fait, que vous comprenez pas, Cortex. Cortex, c'est qu'il se passe beaucoup de choses à plein d'endroits, tout simplement. Et qu'on ne peut pas absolument tout voir tout le temps, vous voyez? Tout simplement. Et soyez un peu plus professionnel sur votre filtrage avant qu'on s'énerve. Oui. On l'est bien plus que vous, d'accord? Je pense qu'à l'heure actuelle, si on va à la frontière de votre côté, on trouve juste peut-être quoi, des briques de Capricorn et c'est tout. Alors que de votre côté, tout a été préparé comme il faut, tu vois. Ça, ouais. Des bandes de ralentissement. Tu veux pas croire? Vas-y, prends un véhicule, une moto, on laisse tout cela, va voir. Capitaine m'avait dit je tire. Non. Quoi? Non. Carrément des panneaux qui ont été ajoutés pour dire ralentissez. Alors oui je me suis fait chier à les acheter. Hein. Effectivement. On va pas demander votre avis, on vous demande juste de plus filtrer. Si vous voulez vous faire un château de sable, votre frontière, j'en ai strictement rien à foutre. Il y en a un, il a dit Zach, il est passé de Samir Nasri à JL Tommy. De votre côté aussi. S'ils se cachent dans les véhicules pour aller chez vous, c'est que vous les invitiez, bande d'enfoirés. Ah bon? S'ils se cachent, c'est qu'ils sont pas invités, je pense, non? S'ils se cachent de nous, c'est qu'ils ont peur de nous et qu'ils ont pas peur de vous, si vous les trouvez. Je pense que tu te méprends complètement sur la situation alors. Okay. Ils se cachent pour faire quoi? Pour Karim Benzema, Samir Nasri. Tu penses vraiment que on est là pour déclencher une guerre depuis le début? Depuis le premier jour, à chaque fois, on est là pour prendre cette putain de paix et qu'on puisse vivre en paix. En gros, c'est une émission. En gros, pendant genre une heure ou deux, on va se poser. C'est des terroristes. Et lui, c'est genre une espèce de longue interview, mais bien, genre il le fait très bien. Terroriste une fois, terroriste deux fois. De nombreuses reprises, ils sont venus violer le territoire de Caillou-Palais. Ah ouais, c'est grave cool. De nombreuses reprises aussi. Vous êtes très loin d'être clean de votre côté, d'accord? On est clean, God bless America. C'est bien d'être de croire en ton pays, de vouloir défendre ton pays. Non, après, vous êtes des abuseurs, hein. Frérot, il y a 4 mecs qui m'aiment pas. Sur 60 commentaires, il y a 4 mecs qui m'aiment pas, vous êtes là, ouah, tous les nés en commentaire, calmez-vous aussi, wesh les gars. Ils sont 4. Ils sont 4, le poste il a 1000 faves, calmez-vous frère, wesh. Vous aimez trop ça. À chaque fois qu'une arme de votre guardia qui a été volée, a été récupérée ou traînée quelque part, est-ce qu'elle vous a été récupérée et redonnée à chaque fois? Ok, très bien, les personnes qui ont volé des armes sur votre territoire et qui sont fichées. Doucement là, de débiter là. Et que toutes les armes vous ont été redonnées. C'est vrai. Effectivement, très bien. Non, ce sera en live, ce sera en live. Par contre, les agents de votre côté, les personnes qui ont essayé de tuer des personnes de Caillou Perico, est-ce qu'ils ont été livrés? Non, vous êtes venus les récupérer. Malheureusement, ils sont. Voilà sont, la nuance. Ouais, retirés. On fait les choses clean de notre côté, nous, Cortex. Hein. Mais là, vous retouchez le passé, monsieur de Léon. Ce qui avait été signé, c'est qu'on ne fasse pas le passé. Effectivement. Si on parle du passé, on parlerait du meurtre d'un lieutenant de police en direct à la télé. Pas signé qu'il devait démilitariser les élus. Ouais. Si on parle du coup du passé, on parle des 7 personnes qui ont été abattues de sang-froid par des agents de police qui ont tenté de faire les renégats, non? Au sniper pendant les enterrements. Tu veux qu'on continue, Cortex? Ils ont abattu des terroristes. Oui, effectivement. Les terroristes ont essayé de faire péter des choses aussi sur Caillou et sur les choses. Retournons en arrière, monsieur. Je crois pas que ce soit. Bonsoir. Non, mais excusez-moi, mais il faudrait peut-être que je passe un moment. Vous êtes en bagarre tous les deux. Reculez. Ah, vous passerez après. Oui, je comprends, il y a un tank, mais. Vous savez, moi, je suis un chien qui mord. Et avant de mordre, je demande l'autorisation de mon maître. De la chance que le maître, un peu plus sage que moi, Cletus, t'aurait envoyé dans ta tombe depuis longtemps, enfoiré. Effectivement. Bref, je pense qu'on est clair. Ah ben on est clair, nous, depuis toujours. Hein. Ok. Cletus, tu me connais pas encore. Je parle avec ton grand-père ou ton arrière-grand-père. Et il est plus là pour en parler. Hein. Il est mort. T'as dit quoi, Cletus? J'ai dit effectivement. Voilà. Et donc? Et t'as pas envie que ça se reproduise? De quoi? La guerre Caillou Los Santos. Négatif, messieurs dames. Effectivement, ça n'a jamais été le but, tout simplement. Mais c'est par contre, il s'avère que si jamais de votre côté, vous essayez de prendre encore Caillou Perico comme votre petit toutou en permanence, c'est-à-dire que vous pouvez vous permettre de faire toutes les erreurs que vous voulez et de reprocher les choses aux gens derrière, vous étonnez pas si les petits toutous, comme vous amusez à dire, montent l'écran aussi par la même occasion. Parce que peut-être, effectivement, que nous n'avons pas les mêmes moyens que vous, mais par contre, on a quand même des moyens de base. Ce sera peut-être pas sur la durée, mais le moment où vous allez juste recevoir le coup de poing en question, il fera suffisamment de dégâts par la même occasion aussi. C'est des menaces? Non, c'est des faits. Et tu le sais très bien, Cortez. Mes faits sont que je taille cette balle de pompe, je te la mettrai un jour dans l'œil. Baisse ton arme, Cortez, baisse ton arme. Comprends bien une chose, c'est que nous avons tous du sang qui traîne dans nos veines. On vise avec des tourelles quand même. Ah oui, encore? Ils vont rien faire, je te promets qu'ils vont rien faire, Cortez. Ça parle plus comme hier. Ah oui? Hier c'était on va vous tirer dessus, on va vous bombarder. Non, je pense que... Le discours a changé parce qu'au moins tout n'est pas insultant. Non, je vais te barrer dans ma souris. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a 30 secondes au téléphone, tu m'as dit je vais te faire péter avec mes hélicos d'attaque. Ma souris a plus. Maintenant qu'on a un tank, hein, enfoiré, hein, tu vas faire quoi, hein?
T'as de la chance avec eux. Putain. Je pense bien évidemment qu'on n'est pas là pour ça, d'accord. Donc les bases sont posées, les choses sont réglées, messieurs dames. Capitaine, vous voulez entendre un petit truc? Oui. Attendez, je vais chercher ma petite radio là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, je crois que c'était un petit Kinder Surprise. Hein? Ou un cadeau. Une présence. Oui, je crois. Hein? 37. Putain. Hmm? Si, oui. Hop, allez. Ah. Et nous dit quand c'est bon, Arman, non? C'est parce que c'est ta petite surprise, mais... C'est bon. Ah. Oh, on tombe sur le pire, là. J'entends rien, moi. Non, pardon. C'est pas Aïe. Non, j'ai pas touché. On frise un incident diplomatique encore une fois. J'entends rien. Non, j'ai pas touché. Ah, n'hésitez pas à augmenter le son de la radio. Allez, c'est bon, t'as déjà pris une balle dans le gilet, espèce de con. Relève-toi. Bah, augmenter le son de la radio. Vous augmentez la portée. Moi ? Oh, Floyd. Tu vas faire quoi? Rien, oui. Tu vas me mettre le menotte, tu vas m'arrêter pourquoi? T'inquiète pas. T'as quoi comme preuve? On est déjà parlé au juge, t'inquiète pas. Allez, je vais vous la rapprocher, je vous la rapproche. Le fameux juge. La frontière de le juge suprême là de. Vous entendez là? Vous voulez qu'on l'appelle? Attendez, on va l'appeler en FaceTime. Bah appelle-le, j'étais avec lui tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Est-ce que vous entendez là ou pas? Oui. Ah, nickel. Je vais t'attraper, ça va te faire tout drôle. J'entends rien moi. Oh, j'entends. C'est moi. Oui, je sais ce que c'est. Ah oui, Cortez, c'est vous. Ouais, j'en ai déjà mis deux à des personnes comme toi qui avaient collaboré avec Ayo. Tu seras mon troisième et c'est une promesse. J'ai hâte, mec. J'ai hâte. Mm-hmm. J'ai vraiment hâte. Ah bah, c'est effectivement, parce que j'ai discuté avec le juge il y a quoi, il y a 10 minutes. T'entends là? Ouais, mais le juge est pas con. Comme... Ah oui. Il vous dit ce que vous voulez entendre. Ah. Non, mais je suis fou. Ouais, voilà, peut-être que c'est à vous qui dit ce que vous voulez entendre. Ah bah, j'ai déjà tué deux personnes. T'en sens rien? Et en effet, non, attends, vous me trollez. Bon, éteignez-moi ça. Oh non, y'a rien de fou. C'est des injections. Ah, c'est... Oui, bah, c'est que des faits. Ça a rien. On va couper. En nous faisant écouter ça, où vous voulez en venir? Dites-nous. Non. Je parlais direct. J'ai rien de bizarre. C'est que des faits. Non, c'est pour toi, Cortex, uniquement. Mais moi, je m'en fous. Je lui ai promis que j'allais lui mettre l'injection si je l'attrapais. C'est normal, c'est un traître. Il a collaboré avec l'ennemi. Mais je ferai tout dans les règles de l'art. Donc je comprends pas à quoi il sert cet enregistrement, mis à part me rappeler que je vais te fumer, enfoiré. Ouais. Il recommence. Je sais pas à qui tu parles, hein, mais il est pas là. Mais je... Vous? Bref. Genre la milice? Oui, effectivement, on verra ça, Cortex. Mais voyez, c'est les choses qui sont en permanence, hein. Donc bon. Oui, bref, restez dans votre bande de bisounours, Caio Perico, vous êtes super fort. Ah oui, nous on va partir parce que on a peur. Bref, plus de... Ne soyez pas insultant. Oui, plus de bracelets. Pas comme ça, commandant, fils de pute, va. Calme-toi, quand je t'emmerde, toi. C'est bon, là, commandant. Baissez vos armes. Vous représentez l'Amérique, bordel. Baissez vos armes. Marchez à l'écouter le commandant. Disquette, c'est fait. Plus d'armes, plus de bracelets, plus de coups de feu. Très bien, plus d'armes, plus de bracelets, plus de coups de feu de votre côté aussi, alors. Ni d'insultes, ni de provocations, débile. Ça, il y en aura, ça. On n'est pas vos copains. Oui, nous, on l'est pas non plus. Oui, effectivement. Alors reste à votre place et je resterai à la mienne. C'est très bien. D'accord. Est-ce que c'est bon? Oui. Super. Magnifique. Bonne soirée. Oui, bonne soirée. Hein. Très bien. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Je souhaite de mourir jeune, Cortez. Demi-tour, Cortez. Je souhaite de mourir vieux, toi. Pour savoir, il veut plus d'insultes ni de provocations, oui, ou il en veut en fait. Après, moi je craque, moi. Oui, bah oui, mais je me doute. Merde, chien! Vas-y, criez un coup là. J'ai les fameux véhicules que tu m'as demandé, mais. Je vais régler la mêlée, sois pas d'enfoiré! Je vais pas être en train de vous niquer! Trump va vous! Baissez vos mères! Nickel, voilà, vous voyez? Ramenez ma félone, s'il vous plaît! Que quelqu'un ramène ma félone! Ça m'a fait du bien! Vous allez bien, lieutenant? Cortez, donne les clés de ma félone, s'il te plaît, au capitaine! Ouais. Quand vous nous parlez, vous mettez le canon vers nous? Oui! Aïe! Merde! Conduire l'enfant. Masterclass un tank. J'arrive pas à tuer un poteau.
Doucement, 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 je oui, me dépasse on pas. On va dire de rester derrière vous, monsieur, on va dire de rester derrière Super. Vous. Je reste derrière vous. Là, je suis à l'abri, là, je risque rien, là. Oui. À moins que... Tu vois, attention quand même, me colle pas trop. Oui, pardon. Oh, les adrénalines, c'est pas tout. Ah, ça vous démange. Hein. Ah, ça me démange. Hein. Ah, ça vous démange. Ah, ça me démange. Arrêtez vos conneries. Hein. Alors tiens, on va te contrôler quand même, doucement. Oui. Reculez, laissez-moi passer. Il faut juste que je sorte des dodanes, mon chef. Je vais garer ça. Et capitaine, quand vous êtes parti, vous avez tiré dessus. Ouais, commandant, venez voir. Regardez la voiture de Lane. Vous êtes parti, je sais pas pourquoi, ils ont tiré à la tourelle partout, ils ont tiré dessus. Sur le 4x4. C'est un silence. Allez voir le 4x4, il y a des impacts de balles. Où? Vous voyez pas la vitre et tout? Non. Non. Mettez votre lentre UV, vous allez voir. Vous avez des crocs, Gavin, hein? Galvin? Mais c'est vrai, ils nous. Par contre, je sais pas. Non, ils quand vous êtes partis, ils sont montés sur les tourelles, ils ont tiré vers nous et tout. Je vais vous montrer avec la lampe UV, j'ai absolument rien. C'est pas grave, la prochaine fois on ouvrira le feu, capitaine. Capitaine, si nous tirons. Non, ils avaient des tourelles quand même. Ah, ouais, mais ils avaient des tourelles. Non, on va pas faire le fun. Oh, bah nous on retourne patrouiller, hein. Même si. C'est quoi? Allez, c'est parti. Super. Donc du coup là, qu'est-ce qui reste à la frontière là? La highway. La highway, il y a une unité espionnée en plus, je crois qu'il s'est rajouté. Ça marche. Ouais. Du moment allez, Marshall, on retourne en service tout le monde. Bon courage. Lane. Bah voilà, c'est bien passé. Il est agressif ce Cortez, hein. Ah ouais. Je vous ai dit, hein, c'est comme un petit chien de garde, mais c'est bien en vrai. Oui, un petit caniche. Après, je sais pas comment vous le voyez, mais... J'ai le lieutenant 37 à côté qui est gentil, et on a Cortez méchant, on a tout. Bonsoir, doucement. Il y a le lieutenant qui... Attends, qui c'est qui est gentil? 37, si vous avez vu là. Ah oui, c'est celui avec le bandeau. Oui, c'est ça. Et du coup, on a Cortez qui est méchant. Et politiquement, là, ça se passe comment entre Caillot et en termes de président et tout là? Bah, il y a eu le traité de paix, donc ça va, mais le maire est pas trop fan de Caillot. C'est normal, ouais. Mais bon, il le fallait, parce que sinon ça va être la guerre tous les jours, et bon, au bout d'un moment, c'est un peu chiant, quoi. Besoin de 10-35 sur la backup niveau 1 ou pas? Négatif, c'est juste un 10-20, pas une demande de backup. 10-4, bien sûr. Droit pour 37, l'argento rouge a déjà été contrôlé par l'US Marshall. Parfait. C'est quoi la backup, messieurs dames? Ça fait trop la belle. Une demande de 10-20, Captain. Ouais, ouais c'est le... Faut tout pour faire un moment, vous savez. Ok. Là, je lui les rapporte, ici, droite, on est à Ganton, ouais, c'est ça. Ganton, pas souvent, en vrai. Ah ouais? Dire. Ouais, non, très calme. Et là, c'est calme ce soir ou c'est... C'était un peu calme hier aussi, mais sinon, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont passés le mot, comme quoi vous étiez là. Hein. Mais généralement, pour les réveiller, on fait des petits convois, quoi. Ah, il faut pas les habituer. C'est ça, en fait. Là, on a fait pas mal ces derniers temps, là, on va faire une petite pause, quand même. Et les speedy sur le bas côté, s'il vous plaît, avance un petit peu. Droite, parfait. Ouais. Coupez le contact, descend du véhicule, s'il vous plaît. Nickel. C'est pour ça que vous arrêtez ? La vitesse. Ouais, la vitesse, ouais. Vous appelez comment ? Je m'appelle Raïm. Raïm, appelez l'identité, piège du véhicule, s'il vous plaît.
J'ai pas le papier du véhicule sur moi. T'as pas le papier du véhicule sur toi? Non. Il a qui ce véhicule? Il a qui ce véhicule? Il a mon collègue et du coup on partage les clés. Comment il s'appelle ton collègue à qui vous partagez les clés? Il s'appelle Davante Init. Davante Init? Ouais. Et il est où? Bah il dort là. Ah il dort? C'est lui qui a la carte grise? Ouais. Je crois qu'elle a son nom. Je vais regarder. Intruder, ça c'est Intruder ça non? Ouais pile. Monsieur Carter Lloyd. Ah, c'est pas le même nom là, ça correspond pas à mon commandant, capitaine. J'ai ah bah en tout cas je l'ai pas volé, j'ai les clés. Ah bah si il a les clés capitaine. Je crois que le jour j'ai pris votre voiture et j'ai pris les clés. Bah et ouais. Du coup là à moi. Bah du coup ça l'a à toi capitaine, c'est la règle. Ouais. Ouais, du coup fais comment? Fais comment? Ah je sais pas. Comment on fait? T'as le permis? Non parce qu'il y avait pas de... L'auto-école il m'avait fixé un rendez-vous pour me le repasser. Du coup je l'ai pas repassé. Non, je l'ai passé, mais pour me le donner à moi, il fallait que j'attende que l'auto-école ouvre. Oui, tu peux mettre tes mains sur la voiture, s'il te plaît. Yeah, vas-y. Merci. Garde tes bras. 01 pour 26. T'as le nom complet de la personne que tu cherches au nom de Guzman ou pas? Parce que j'ai un Guzman sous les yeux, la frontière. Comment il s'appelle? TPH, c'est trop long, TPH, TPH, c'est trop long. Prêt. 08 temporisé. Il y a quelqu'un qui m'attend, c'est pour ça que je roulais comme ça. Ah oui, c'est vrai. Non, son perso a arrêté. Sa moto elle était cassée et là il m'attend au niveau de l'observatoire. Il va faire quoi l'observatoire? Bah lui réparer ça à sa moto. Marche. La moto elle est cassée? Ouais. Ok. Un petit jeune, toi t'as de l'avenir, t'as du peps en tout cas, ça veut dire. Putain. Yo, c'est combien ça? C'est à 100$ ça. J'ai même pas assez sur moi. Bah, tu vas payer ça au plus vite, hein. Ah ouais, dès que j'ai les sous. Non, marche. Ah bah, si, c'est j'ai bon, t'as payé, bah, voilà, bah super. Allez, bonne journée, doucement. Vas-y, vas-y bonne journée à vous aussi. Bah du coup, non, bah non, pas doucement, elle est plus vite. Dans la frontière, du coup. Ouais, la vitesse, pas le débit de parole par contre. Ouais, ouais, ouais. Eh B. T'as dormi celui-ci? Il était sous bœuf celui-là. Bon, y'a pas d'appel là, qu'est-ce qui se passe là ce soir là? Mais en général. Oh attends, ça c'est pour moi ça. Petit sultan ça. Petit sultan faré teint. Ça j'aime bien, ça c'est ma cam. Ça veut dire quoi en général quoi? En général, c'est vrai que moi, de mon expérience, ça pète souvent un peu tard la nuit quand même. Quand c'est calme au début. C'est vrai que ça peut arriver. Ouais. Oui, c'est pour vous, oui, c'est pour vous, effectivement. Allez, conducteur, sorti du véhicule. Contre le mur. Les quatre contre le mur. Tu vois ça, capitaine, gant bleu, ça veut dire quoi, gant bleu? Bah, pas du tout, même. Putain. C'est pas ça veut dire quoi, gant bleu? Bah non, même pas. Ça veut dire femme de ménage, ou homme de ménage. Non, ça veut dire shooter. Ah ouais? Oui, dans le langage de la rue, ouais, c'est les shooters. Ça veut dire qu'on nettoie bien partout. On astique bien les endroits sales, ouais. Ah, j'étais même pas au courant. Ok. Pourquoi c'était votre pistolet, monsieur? Ah, pardon. Vous avez peur? Pas agressif, hein. Allez, carte d'identité, les 4, s'il vous plaît. Allez, papier. Encore nous. Comme par hasard. Comme par hasard, t'as vu dans quel état l'état sultan? T'as pas de phare, t'as rien? Oh, pardon, excuse-moi. Tenez. Oui, c'est vrai. C'est de. Le problème, c'est que j'ai plus confiance en la police, moi. Ah ouais, elle a qui la voiture? Bishop. Ok, vous au milieu en gris là. À qui est la voiture? En fait, elle est à notre cousin, il nous l'a prêté. Ah oui, vous l'a prêté la voiture? Oui. Il vous l'a prêté dans cet état aussi là? Ouais, c'est lui qui l'a cassé. Ça rentre nous ça. C'est pas conduire. Ça, c'est pas familial ça. Bon. Déjà, la gant bleue, tu vas me le retirer, je sais pas où tu t'es cru. C'était qui le conducteur? C'était qui le conducteur? Du ménage, hein? Ouais, c'est qui le conducteur? Il a posé une question, commandant. C'est moi.
Bah c'est justement lui, il préfère conduire, avec des gants. Carter Lloyd encore. Carter Lloyd encore la voiture, capitaine. Mais attendez, mais y'a un problème. Je l'ai pas sur moi là, je l'ai pas sur moi le permis. Ah bon? Ouais. Il y a une carte grise. Il y en a un de vous, c'est Carter Lloyd. C'est le cousin, monsieur. C'est le cousin, ça. C'est le cousin. Il a les véhicules de tout le monde ou quoi, Carter Lloyd? Mais j'ai l'impression, ouais. Oui, bah, c'est le cousin. En fait, si vous voulez, c'est une grande famille, en fait. C'est qui le conducteur de la voiture, s'il vous plaît? C'est Gamblouche. Super. Eh ben, les trois autres, vous circulez, cassez-vous. Ouais. C'est notre frère. Oh, salut, c'est notre frère. Faut que je me répète. Le souci, c'est qu'en fait, on a une mauvaise expérience. Il s'est fait tabasser. Barre-toi, connard! Est-ce qu'il faut que je me répète? Parlez bien, monsieur. Non, vous pouvez rester, hein. Pas d'ici. Super, tournez-vous tous les deux. Non, oui, on part. Ok. Écarte tes bras, toi, écarte tes bras. On va laisser se faire tabasser, là. Comme hier, ça. On fait rien, on reste avec eux. Eh, chemise. Personne n'a d'armes ou quoi, frère? Oh! On peut avoir des armes un petit peu? C'est ce que t'as dans le pantalon, là. Tu factices, on est d'accord. Tu factices. C'est pourquoi faire la hachette? S'il me dit qu'il est bûcheron. Je suis bûcheron, mais. Allez, c'est quoi regarde, dans ma tête, je suis en train de me dire s'il me dit qu'il est bûcheron, je l'encule. Allez. Non, c'est non, bon. C'est bon. Allez, monte dans la voiture, monte dans la félone. Non. Il a sorti les du bûcheron. T'as dit quoi? Oui, il a dit qu'il était bûcheron. Oh là là. Il a rien fait, laissez le partir. Si, il a mal coupé un arbre, on s'en occupe, vous inquiétez pas. Je viens d'arriver en ville. Je la porte. J'en ai rien à foutre que tu viennes d'arriver en ville ou pas. Ils vont le tabasser. Oui, on va le tabasser. On va te le ramener ensemble avec les deux bras pétés. C'est quoi putain? Oh là là. Ça n'a rien à faire du tout. Tu viens d'arriver en ville. Moi, je m'en fous que tu viennes d'arriver en ville ou que tu viennes pas d'arriver en ville. Tu viens d'où? T'étais où avant? La même chose. De quoi? J'étais à New York. T'es à New York? T'es venu faire quoi à Los Santos? Je suis mon grand frère. C'est qui ton grand frère? Il était là. Il était là? Ouais. Pourquoi tu l'as suivi? Pourquoi t'es pas resté à New York? Bah parce qu'on a bougé en famille. Vous avez bougé en famille? Ouais. Je vais te montrer comment ça se passe à Los Santos. Et vous habitez où là à l'heure actuelle? Ah, on a pas forcément d'habitat, on squatte un peu. Bah vous squattez où alors? Dans des voitures ou... Okay. On peut squatter pour le moment, on essaie de se faire de l'argent justement. Ah mais y'a pas un de vos amis qui s'est fait arrêter là ce soir? Il y avait un Glock? Ouais, pas du tout. Monsieur. Une de... Monsieur. Ah. Mais si, il était SDF comme vous. Ah ouais? Non? Ouais, c'est peut-être votre frère, ouais. Je sais pas, il s'appelait comment? Putain, comment il s'appelait ce mec? J'en sais rien. Ouais, allô? Caillou, qu'est-ce qu'ils veulent? Oh non. Oh là. Ah, bon, c'est pas grave. C'est bizarre, là, c'est... Ok. Il s'appelait comment le mec de tout à l'heure qu'on a arrêté pour le Glock, là? Descend. Ouais. Vas-y, va dans un coin. Celui que tu veux. Ok. C'est pourquoi les gants bleus si t'es pas un shooter? Je te dis, au début c'était les gants de ma mère. Les gants de ta mère, c'est pas ta ménage. Mère. Ta mère a été chirurgienne? Non, elle faisait du ménage et c'était ses gants. Et vu que je suis venu ici, bah, je les ai gardés en. Tu les as gardés quoi? Je les ai gardés pour souvenir. Tu les as gardés en souvenir? Oh. C'est quoi ton code? Comment ça mon code? Le code de ton téléphone. Merci. 1611. T'as pas un collègue qui s'appelle Triga? Non, pas du tout. Ok. Je suis juste arrivé hier avec mes frères. Je connais personne. Triga, Alcantara, ça ne dit vraiment rien. Non, pas du tout. Tu t'es fait recenser? Ouais, hier en plus. Ok. Il s'appelait comment là, du coup, l'autre du PDP? Triga, Alcantara. Trigger. Je pense que vous avez trouvé dans mon téléphone à part le numéro de mes frères. Voilà, je me balade. C'est pas un souci. Du coup, là, c'est quoi ton projet là, maintenant, là, quand tu arrives en ville là? C'est quoi tes objectifs là? Tu vas faire quoi là? Ben là, actuellement, j'ai réussi à me faire recruter au mécano et les custom. Ouais. On fait déjà un petit travail. Je pêche, je travaille au bûcheron, j'essaie de me faire un peu d'argent pour passer le permis et pour. Parce que voilà, j'ai pas le permis. Et pour m'acheter une voiture derrière. Tu veux t'acheter quoi comme voiture là? Je sais pas, j'ai pas regardé les prix encore. Ok, je m'en fous. Allô? Ah. Oui? Il a rien fait. Hein. Je sais, mais je veux faire un bon truc. Non, c'est juste que j'ai. C'est bon, RS, capitaine, on repart.
Oui, je sais. Non, mais faut que je fasse à mon papier derrière. Tu comprends? Bah non, c'est... Oui, oui, mais oui. Ok. Bon, je t'appelle. Je t'appelle. Tu as retrouvé son nom, Trigger? Ouais, mais il y avait rien dans son téléphone. Je l'appelle à 10-3. Ah, je parle à moi. Oui, je suis... RS sur les derniers 31. Allo, c'est qui? Allo, c'est qui? 71, vous allez bien? Raison des explosions au-dessus du poste? Allo, c'est qui? Alors, attendez, je vous rappelle. Une marée d'équipe. 10-22. Oula, allo, oula. C'est qui? Ouais, capitaine, c'est Douy. Ouais, tu veux quoi, Douy? Ouais, question, vu qu'on a repris notre plaque, vous nous avez dit comme quoi après qu'on la récupère. Bah, mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Oui, faut que je te forme, ouais. Je t'appellerai quand je... Demain, ouais. Bonsoir. Si je suis dispo. Bonsoir, les deux contre le mur. Ah, ouais. Oui, pas de soucis. Ouais. Contre le mur ou contre l'ambulance? Contre le mur. Mur. Ok, mur, pas de soucis, excusez-moi, monsieur. Vous croyez où? M05, on sera sur les derniers 1060, redéservé. Pardon? C'est-à-dire, excusez-moi. Vous croyez où? Pardon, la question peut-être n'était pas claire. Où est-ce que vous croyez? Sur Los Santos. Oui, sur Los Santos, d'accord. Et pourquoi vous roulez comme des fous comme ça, là? Ça, c'est de ma faute, excusez-moi. Oui. J'avais une intervention, un gros truc. Non, ils avaient pas de sirène. Alors, pour le coup, non, là, clairement, c'est de ma faute. C'est de votre faute? Bah oui, c'est de votre faute. Montrez-moi votre permis de conduire, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Attends, je suis en train de me faire arrêter. RS sur l'alerte frontière. Vous avez votre badge de MS? Reçu. Capté. Et vous, s'il vous plaît? Ouais, pas de soucis, tenez. Vous alliez faire quoi, là? Comment? Vous alliez faire quoi, là? Là, j'allais au bénisse pour faire réparer l'ambulance. Ah, d'accord. Et les gants bleus, là, je prends... Du coup, c'est quoi, là, le... Non, c'est des EMS, c'est normal. Bah oui, on est obligé de les garder parce que sinon... c'est pas... Ok. Il y a des petits soucis, quoi. T'as votre petit salaire de MS qui va partir dans une amende. Vous êtes médecin, ambulancier? Moi, je suis médecin-chef. Moi, je suis externe, là, c'est mon premier jour. Super, attention que je vous y prenne pas. Pas de soucis, excusez-moi, monsieur l'agent. Au revoir. Oui. Non, c'est externe. Je crois arrêter les EMS, parce que les EMS, à chaque fois, ils se croient intouchables, ces petits bâtards là. Au revoir. 75, on se rend sur les derniers vols à l'arraché. Les EMS, on les arrête jamais, on devrait, hein. Ouais, dis ça qu'on est en code quinte. C'est vrai qu'on se dit service public, mais sinon, c'est vrai, vous avez bien fait. Hein. On sait où sont les labos, les trucs là, quelque chose? On a un labo de weed là. Il est où? Il est route 68. Alors là, j'en ai aucune idée de ce que c'est. Vous voyez, Sandy Shore? Ouais, ah oui, c'est loin. Ouais, là on peut louer les camping-cars et tout là. Ok. Et il est surveillé un petit peu? Bah ouais, là maintenant on n'entend plus que le flag pour intervenir. Qui vous amène, monsieur le capitaine? Bah on fait un petit tour de quartier avec le commandant, tout va bien. Ouais, il y a tout qui va bien. De code 5 sur Red Desert. Ouais, ça va, monsieur le commandant. Ouais, ça va, super, vous faites quoi? Bon, là rien du tout, pourquoi? Non, comme ça, Oh, petit chat. Miaou! Minou. Ouais, c'est dans le quartier. Ah oui. Aïe, sans doute qu'il est pas dans ta gorge, le chat. Bah ouais. Ah ouais. Bon, il aurait pu être dans la voiture, des fois j'aime bien les séquestrer. D'accord, vous faites quoi de beau? Ok. Bon, on se balade. Là, on allait faire les gangsters. Exactement. Tango 05, on prend le dernier. Et ils sont où les autres du quartier? Ils sont, c'est pour moi, c'est un avocat. Non, ils se baladent. Bah, dites ce qu'ils font, on s'en fout. Bah, ils font leur vie, quoi. Enfin, je sais pas. Ce soir, c'est calme, hein, ouais. C'est très calme. Tu es des gens. Bonne nuit. Mm-hmm. Ça marche. C'est un secret entre toi et moi. Allez, bonne soirée. Pas de bêtises. Hey, yo, ouais, vas-y, bonne soirée, messieurs. Ouais, bonne soirée, messieurs, dames. Après, la bêtise, elle s'arrête où? Ouais, bisous. Bonne soirée, monsieur. La loi! C'est la loi! 01 pour 37, il y a des individus de la milice qui sont devant la frontière de l'autre côté qui veulent pas nous laisser tranquille. 66, j'arrive. La milice? Ils sont où? Ils sont de l'autre côté de la frontière? Ma chief, ils sont devant notre barrière en fait. Ok, j'arrive. Il y a des individus qui sont passés, je sais pas.
Franchement, capitaine, une M4. Oui, bonne soirée. Oui, ça va vite, quoi. Oui, ça peut aller très vite, hein. Vous avez déjà abattu beaucoup de gens, ou dans votre vie? Ouais. Ah ouais, c'était qui le plus gros, genre le mec, 15, 10, 10, bonne soirée à tous. Le gros délinquant? C'était mon commandant. Ah oui? Ouais. Il avait fait quoi? Ah, pardon. Excusez-moi. Rien, j'étais c'était dans ma jeunesse, j'étais un petit peu devenu fou, je m'étais rebellé contre mon commandant, j'avais tué mon commandant ainsi que la moitié du l'esprit. Ah oui, quand même. Ouais. Donc faut pas vous rebelliez, quoi. Sinon Léon Bolton. Okay. Mes plus gros. Ah, je l'ai croisé avant-hier. Ah bon? Oui. Oh, c'était il y a quelques années, je pense pas qu'ils soient encore en vie, hein. Ah, ça va être ton cousin, alors. Mais comme je vous ai dit, là. Et bonsoir, mes respects. Bonsoir, oui, bonsoir. Non, capitaine. Et bonsoir, madame Lécris. Et cette personne n'était en gros, pas dans ce véhicule. Quoi bah, en gros, si vous voulez, il y a une madame qui est passée apparemment sous bracelet, donc elle là-bas, sauf qu'on ne sait pas qui l'a fait passer, parce que nous on est là depuis tout à l'heure, on l'a pas fait passer pour le coup. Et en gros, n'a servi à rien. Ils se plaignent quoi, ils disent que vous voulez pas, genre, ouais, bref. Et pourquoi elle est repartie cette dame là? Pourquoi elle vient de repartir? Non, bah non. Non, en gros, elle est allée chez eux. Ah, c'est elle là, je pense que c'est la dame en voiture. Bracelet chez nous. Commandant, venez, faut que je vous explique quelque chose. D'accord. Gardez-la à l'œil, hein. Okay. Vraiment, gardez-la à l'œil, ouais. Oui. Dame vient de me dire qu'elle a été kidnappée au niveau de Vinewood il y a 20-25 minutes et qu'elle a été amenée à Caillou par bateau. Donc c'est pour ça qu'elle a pas passé la frontière et que du coup, on n'a pas trouvé son bracelet. Elle vient de me l'expliquer là, à l'instant là. Moi je la crois pas. Bah moi je la crois, bizarrement. Après c'est vous qui voyez. Après moi j'ai envie de creuser cette histoire parce que voilà. Mais... ça expliquerait pourquoi bah, elle soit passée au-delà de notre vigilance quoi. Ouais. Capitaine. Oui c'est vrai. Oui. D'accord. Bah écoutez, renseignez-vous, je sais pas hein. Oui c'est ce que... Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, on a retrouvé une personne sous bracelet. Ouais. J'ai pas d'armes. Non, votre collègue. Du coup, expliquez-nous qu'est-ce qui vous amène du coup. Je peux expliquer la situation. On a retrouvé encore une personne qui était sous bracelet électronique sur notre territoire qu'on a ramené gentiment ici. Ok, ça marche. Bah, merci. Super, merci. Du coup, on se disait que vous avez encore ou un problème directement. Non, merci, bonjour. Tout va bien. Vous voulez quoi? Vous voulez un pot de vin? Tu veux 200$? Respecte-moi, s'il te plaît. Tu veux quoi? Tu veux 200$? Réponds à ma question. Je ne veux rien du tout de ta part. Super, merci, tu peux faire demi-tour. Tu n'auras rien à m'offrir qui m'intéresse. Oui, bien sûr. Ce qui m'intéresse, c'est le respect, mais c'est pas. Oui, bah, tu l'auras pas. Je pourrais pas te l'offrir, voilà. Ça, par contre. Voilà, ce qui s'est passé, merci, on vous remercie. Maintenant, bonne soirée à vous, monsieur. Si, on va repartir. Allez, dépêchez-vous. Je ne suis pas pressé, je fume mon cigarette. Écoutez, monsieur, là, vous êtes dans le territoire des États-Unis d'Amérique. Donc, si vous voulez pas que je procède à un contrôle, si vous y êtes. Non, dans 10 mètres, si. Non, monsieur, ça marche pas. Ça fait 5 jours que je suis à la frontière, je sais encore où sont les limites, s'il te plaît. D'accord, vous êtes dans la zone neutre. Ça vous va mieux la zone neutre? Je préfère. Voilà, la zone neutre, si vous voulez, j'ai aussi un Commandant pouvoir là-dedans, donc suprême. S'il vous plaît, partez. Nous allons partir. Maintenant. Faites en sorte que cela n'arrive plus. Oui, allez. En fait, quoi qu'il arrive, il y aura un moment où vous allez devoir tourner les talons et partir, donc arrêtez d'être ridicule et cassez-vous. Je ne suis pas ridicule. Mais je vais partir, parce que j'ai pas envie de voir ton tête plus longtemps. Oui, voilà, c'est vous qui l'avez décidé. Vous partez parce que vous en avez pas envie, pas parce que je vous mets à la porte, bien évidemment. Exactement. C'est vous le chef, vous l'avez décidé, vous partez car vous en avez envie. Tu comprends vite, mais faut expliquer longtemps. Voilà, c'est ça. Allez, on dégage. Hop. Après, et on dégage parce que vous l'avez décidé, bien évidemment. Hein. Ferme-la. Capitaine. Oui. Du coup, pour prouver qu'il a bien été pris en otage, etc., c'est quand il y avait une course poursuite. Voilà, putain, vous l'avez bien décidé, bien joué. Bien joué. Ouais. Il y a un médecin qui était prévenu, ils arrivent. Ouais, tu vois. Non, mais là, dites-vous juste, la dame, là, elle s'est retrouvée sur Caillou. Elle vous raconte une histoire parce qu'elle essaye bah, oui, de se rattraper. Oui, bien sûr. Mais elle dit qu'elle s'est pris en otage par un bateau. Bah demain, moi aussi, je me retrouve sur quelqu'un que j'ai embrassé, je vais dire que je suis pris en otage. Oui, non, mais la prise d'otage, j'y crois pas, mais le bateau, pour le coup, oui. Eh bah, ben, il faut voir avec les gardes-côtes à ce moment-là. Okay. Et ouais, pour le coup, du coup, il y a que des jet skis qui font que passer, donc je pense que c'est comme ça que les gens. Oui, bah après, s'ils sont en dessous, ils auront à faire du jet ski. Du moins qu'ils passent par la frontière. Bah, à mon avis, c'est comme ça que les gens y passent maintenant. En bateau? Mais non, en bateau, ils sont directement à battre, soit par l'armée américaine ou l'armée de Cape Perico. Ah oui. Ok, bah faut trouver comment elle est passée, la demoiselle. Je pense que c'est pas super clair, ça. Ouais, non, c'est bizarre, le bateau. Ouais, le bateau, je crois qu'il a pas été super clair, pour le coup. Donc, il y en a, ils en profitent.
Bah, force à eux. Bah, t'entends pas tous les jets qui passent, y'a que 7 Oui, non, mais après, c'est juste en dessous, tu vois. Ouais, la voiture. Après, je peux plus l'armée pour les abattre si jamais, hein. Bah, est-ce qu'ils ont... Ils sont pas franchis la barrière, si ? Non, mais si jamais on voulait qu'on surveille, je peux appeler l'armée, un hélicoptère et. Oui, c'est vrai. Mais après, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont prendre des bateaux pour aller sur Caillou ? Bah, ouais. Oui, oui. Ah, ouais ? J'en ai déjà vu plein arriver sur Caillou en bateau. Ah bon ? Ah, oui. La remarque à la midi, c'est ils ont utilisé son chien. C'est apparemment pendant une course-poursuite avec une félone blanche. Tout à l'heure, félone, ça. Y a pas de félone blanche. Y a la seule félone qu'il y a, c'est le commandant. Oui, non, mais c'était pas à nous la félone blanche. Elle était dedans, avec trois mecs. Bon, vous savez quoi, prenez ses papiers. Faites votre boulot. Mettez-lui une amende. Mettez-lui une petite amende, d'accord ? C'est bien. Une petite amende, et vous la palpez, puis elle repart chez elle. Et vous dites qu'elle a plus le droit de faire ça. C'est très bien. Voilà, super, vous êtes des bons flics. En gros, ils voulaient des fleurs, les mecs de la milice, c'est ça ? Bah, je sais pas trop ce qu'ils voulaient, ouais. Ils voulaient les lauriers, comme d'habitude. Non, mais je pense que cette dame, elle s'est vraiment fait kidnapper et qu'ils voulaient faire les gentils devant nous. Je sais pas trop. C'est Katalaya, c'est ça ? Ok. Elle a déjà été amendée, alors, capitaine. Hein ? Elle a déjà été amendée tout à l'heure, apparemment. Bon, bah, c'est bon. Laissez-la partir, c'est pas grave. Vous la palpez, vous laissez. Au revoir. Okay. Vous êtes des bons flics. Merci, commandant, merci. Dinguerie. Ouh là là, ça c'est pour moi ça. Sors mesdames. Ça. Il parlait de la voiture, vous inquiétez pas. Non, ouais, y'a quoi là Du calme s'il vous plaît, du calme. Ouais. Vous allez où comme ça? Baissez votre fenêtre. On va à Caillou, monsieur. Vous allez faire quoi à Caillou? On voudrait aller à Caillou pour faire une petite soirée tranquille. Mm-hmm. Y a pas de soirée là. Oui. Mais on sait pas comment faire les visas. Oui, c'est à la mairie. À qui demander ? À la mairie. En fait, on a le visa de Los Santos, mais on n'a pas. Non, c'est pas le visa, t'as la nationalité. Non, faut aller à Caillou, ils ont dit pour le faire, ouais. Non, il faut aller. Vous voulez le visa Caillou Péricain ? Oui, il faut la Caillou pour le faire, il faut la Caillou. Mais oui, mais pour passer, on peut passer comme ça. Vous allez passer, vous allez vous soumettre à un petit contrôle. Ok, d'accord. Allez, vous, personne ne vous demande votre carte, madame. Oui, descendez du véhicule s'il vous plaît. Moi j'ai une visa. Pourquoi t'as fait un visa? Mettez-vous contre la barrière. C'est bizarre moi. Tout ça. T'as pas dans le visa, t'as la nationalité, t'as la carte d'identité. On a une prise d'otage de la 188. Vous acceptez que je vous parle? Au pinko juste à côté du poste, une oracle. Écartez vos bras. Rouge occupé 3 fois. Vous voulez que je vous aide comment? Un individu armé. Non, c'est bon, t'inquiète, je gère. En direction de Pillbox. 93, on s'y rend. Vous allez à Caillou, mesdames, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ce qu'on veut faire là. Tu vas faire quoi, Caillou? C'est pas un extrait. Bah, une petite balade, visiter à la plage. Entre copines, quoi. Globe. Ouais. Je mets attention à mon ventre. Hein. Okay, d'accord, votre ventre. Mais capitaine, laissez-moi, j'ai dit, c'est moi, je fouille. Ah, j'ai pas entendu, désolé. Oh là. Non, j'ai juste regardé, vous inquiétez pas. Je vais vous palper, madame. Ouais, doucement à mon gosse là. Vous êtes enceinte? Actuellement, je dirige vers le PDP de Vespucci. Ça veut dire que vous avez baisé. Quoi? Ah oui. Waouh. Dernière position de PDP Vespucci. Vous jamais, vous? Ah si. Ah. Par contre, je vous ai pas demandé de sortir de la barrière, s'il vous plaît, madame. Mais il se passe quoi? Restez là, contre la barrière, madame, avec cheveux rouges. Désolé. Bah, c'est la procédure, mesdames. Vous bardez, je vais arriver par un shot, mais j'ai pas dit. Non, mais c'est la procédure pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Pour remonter Bay City, je vais descendre vers Vespucci, Blyer. Oui, mais ils veulent pas comprendre qu'ils sont à battre en fait s'ils arrivent là-bas. Je répète, Oracle XS rouge, occupé 3 fois. Capitaine. Oui, il y a un jet ski qui est parti en direction de Caillou. Et une arme de sûr, du coup, dans le véhicule. Ouais. Super, vous pouvez y aller, mesdames. Bonne soirée. Merci. Hein. De rien. Très bonne soirée. Ouais, merci. Aussi, là. Oui, vous êtes très belle. Vous faites des sommations. Ouais, je sais. Merci, ouais. Vous aussi. Ah, je peux pas manquer. Ah, c'est bon. Vous aussi, vous êtes belle. Merci, madame. Ça me fait plaisir. Merci, madame. Non, vous êtes beau. Bon, on a des agents kidnappés, là. Agents kidnappés? Oui. Ça, c'est pour quel moi, agent ça. Je l'ai fait kidnapper? J'ai le véhicule. Actuellement, on passe devant le Life Invader. Okay. On est loin. Quelle matricule? C'est 88. Ok. Ok, c'est pour une banque, messieurs, c'est pour une banque. Je suis devant. Et moi, de mon temps, on se faisait pas autant kidnapper, moi. Ah ouais, non, mais c'est terrible. Hein. Du
coup j'ai besoin de 2-3 unités s'il vous plaît pour braquage de banque. Commandant 66 on arrive. Ah dans le 93 on s'y rend. 79 pour 05. Mété, tu peux me dire c'est quoi les véhicules s'il te plaît? Ça je pense que c'est là qu'il borde même plus. Cool. Mais laissez le border ouais j'ai envie de border. Je sais pas comment ils font pour surprendre un otage, je crois que c'est terrible ça. Bah ouais. Sur ton arme tu tires. Moi étant donné pour un otage, soit je fais oui ou une marche arrière quoi. Info backup 2 s'il vous plaît. Braquage de banque. Ok, 10-4. Et ça avance la fille là. Une sultane s'est rajoutée à combien, là de l'oracle sur le braquage de banque. On dirait pas. Oh merde, j'aurais pas dû passer par là. Oh non. Oh ah, il fallait que je récupère. Aïe. J'avais raté la sortie. Ah ouais, je vous disais aussi. Bah oui. Ah oui, capitaine, comment je fais sinon? Oui, c'est vrai, ouais. Je les connaissais pas, ceci. Oh, je veux pouvoir avoir votre talent de pilotage alors. Ouh là là. Je suis vieux, hein. Ouais. Oh, c'est comme les vélos, ça s'oublie pas, quoi. Il y avait beaucoup des poursuites à Liberty à l'époque ou pas? Ah, mais moi j'étais à Los Santos, moi. Non, j'étais à Los Santos. J'ai fait un petit stage à Liberty parce qu'ils avaient besoin. Des US Marshall pour Alice Speedy. Mais sinon. Allez, écoute. Alors, restez à l'affût ce soir. Apparemment, il y aurait un espèce de jeu illégal avec un maximum de points pour les personnes qui attraperaient des personnes des forces de l'ordre. Ça ne vous dérange pas? Non, allez-y, faites votre travail. Il va certainement y avoir des PO à gogo, restez bien sur vos gardes et au niveau des appels aussi, allez-y à plusieurs unités. Hein. Captain, G-Scott, merci. Tout le monde, vous les faites de côté? Allez, c'est qui dans un Buffalo là? C'est qui dans un Buffalo? Capitaine? Oui. Buffalo, c'est nous, Captain. À négocier là. Je sais pas si je suis fou, mais la dame en survêt là. C'était pas vrai que t'es cassé devant Cartier Jefferson, elle est habillée pareil. C'est vrai que. Bonsoir. Ça y ressemble. Hey you. Mais oui. D'accord. À qui j'ai affaire? C'est l'eau, ils sont pas géchants. Un petit surnom. C'est le mec en blanc. Attendez. Je vais te le dire. Vas-y. Le mec en gant blanc aussi. Attends, radio, apparemment, il y aura un civil qui aurait sa voiture qui serait bloquée sur le pont. Ils sont pas chargés, on est d'accord, les gars. Là, je suis pas en train de faire le. Et on lui avait demandé de présenter sa carte d'identité. Je crois que c'est commandant sur la. C'est 93, Arden. Oui, Garden. Oui. Non, Arden. C'est un négociateur en carton, là. Je te jure. On vous demande pas de commenter la négociation, monsieur. Ouais, écoutez-moi bien, les Jefferson. Ah. C'est pas les Jefferson. Ne faites pas de zone d'arrêt autant, les gars, putain. Je m'en occupe. Surtout que je l'avais déjà faite, la zone d'arrêt, monsieur. Oui, les noms Jefferson. Les gars, c'est pas les Jefferson. Pour 36-22. C'est quoi la deuxième identité? Brady Brown, c'est ça? Les gars, c'est pas les Jefferson. C'est pas les Jefferson. Identité de quoi? L'essence, s'il te plaît. Hermès, un certain Hermès. S'il vous plaît. Ouais. Et pas un Brady Brown. Tonton, tu peux aller chercher les otages. Les gars, c'est pas des Jefferson, c'est juste des gens qui sont habillés comme eux. Oui, exactement. Ah, c'est des copieurs. Lui, il est intelligent, tu vois. Ah, les copieurs de fou. Dans les cartes, on s'habille un peu tous pareil, c'est pour ça. Ok, ok. Ouais, c'est nos modèles. Quelqu'un a appelé un mécano? Il m'a dit quoi? Il manque une lame. En tout cas, j'aime bien votre tenue, madame, avec votre culotte qui dépasse. Ouais, après c'est le pantalon de montre. C'est cool. Ouais, carrément. Il manque une dame, la fréquence 2, et pour la poursuite là. Ah, c'est vous qui négociez avec nous du coup? Oui, c'est moi. Ok, parfait. Bah écoutez, je me présente à l'agence 71. En plus, avec moi, le mec, il veut vraiment pas être watchlist. Va se faire classe par one. Nous sommes là pour essayer de faire au mieux pour que vous soyez exigeant avec les personnes que vous avez pris en otage, qui ressortent en vie et que vous repartez avec votre butin. Oui. Du coup, on vous écoute. Quelles sont vos revendications? Hey, je veux un disque vinyle de Tupac. Alors par contre, attendez, j'ai une information. Je pense que dans le poste, il y a un disque, mais par contre, il est Jim NES, pas de Tupac, malheureusement. Ah bon? Ouais. C'est dans les saisies, un truc comme ça. On va en crâner un, je crois. Ah, celle-ci, celui-là. Attends, mais un disque vinyle de Tupac, Ouais, mais pourquoi vous allez pas l'acheter au lieu de braquer une banque pour parce ça? Parce que ça coûte cher. Oui, c'est vrai. Là, attends, mais c'est une réplique. Les répliques, ça coûte que dalle. On n'arrive pas avec lui, ils ont braqué un agent. Monsieur, est-ce que pour rester sur le. Soyez ferme. Du coup, pas de ticket, on est d'accord. Est-ce que ça vous dérange pas d'enlever son trottoir, s'il te plaît, avec ton petit haut là. Pas compris.
Reste derrière. On a dit quoi? Là j'ai compris. Ok, super. Donc il y a un agent de chez nous et monsieur Quincy. Quincy. Agent immobilier. Quincy. Ok, super. Super, est-ce qu'on pourrait discuter avec eux? Ouais, pas de soucis, vas-y Quincy, avance. Et on parle pas de 78. Jusqu'au trottoir, pas plus. Bonsoir monsieur, vous allez bien? Ok, ils vous ont pas fait de mal, tout va bien pour vous? Ok, est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement? C'est qui dans la pochard? Vous pouvez nous raconter rapidement comment s'est passé votre prise d'otage, s'il vous plaît? On ok. Et pochard, il y a celle qui arrive. Ça marche. Vous avez pas besoin de soins médicaux ou autre? Ils vous ont donné à manger ou autre? Ok, ouais, ça bonsoir. Va. Super. Bah, écoutez, monsieur, on va tout faire pour vous. Je fais pipi. Ça marche. Super. Y'a pas de problème. J'arrive. Allez, ramenez-nous 88 là par là. L'autre unité elle arrive ou pas là? Yo carré yo. 88. Qu'est-ce qui s'est passé 88 là? Parle plus fort. Ah viens, on leur rend en guise de bonne foi, non? Ils ont pris un... ils avaient des... Ok. Ça va, ils t'ont rien fait de mal? Ils t'ont rien pris? 88, t'étais tout seul là? Radio 1, j'aurais dit de venir, mais y'a pas de problème. 05, ok. Ça marche, bah t'inquiète pas, on va te sortir de là, mon pote. Ouais, on a fait les mecs gentils et peut-être avec quoi, non? Ça marche. On va juste vous demander si jamais. Si. Alors demande, ils ont fait en soif. Voilà, d'être clément avec vous et de si jamais vous avez sur vous ou autre de leur fournir à boire et à manger. Affirmatif, vu le col de qui a été donné par le marshal. Laissez-nous à boire et à manger. Vous avez pas à boire et à manger? Non, on a rien. Regarde, donc pour le premier otage, à boire et à manger, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, pas pour le premier otage. Bah, faut vous mettre d'accord, hein. Y'en a un qui dit oui, y'en a un qui dit non. Allez vous concerter si vous voulez. Non, mais après, pour le premier otage, on va vous demander de libérer une voie, ça pour la suite. Mais pour l'instant, on veut juste aborder à manger pour le besoin des otages, tout simplement. J'avais demandé un disque de vinyle. Ah bah si c'est pour le besoin des otages, un disque vinyle aussi. Si c'est pour la nourriture pour les otages, on va patienter qu'ils sortent de la banque et on leur donnera de nous-mêmes. Non, ils ont besoin tout de suite, c'est pour la négociation, vous savez, c'est compliqué hein, de subvenir à leurs besoins, vous comprenez? Bah écoutez, nous, on essaie de trouver ça. Malheureusement, je pense que mon collègue et moi-même, nous n'avons rien. On va essayer de passer le mot derrière pour voir s'il y a des gens qui ont potentiellement quelque chose sur eux. Mais si ce n'est pas le cas, on va devoir appeler un restaurant. Mais on va faire ça à l'échange de l'otage, du coup, hein, monsieur. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas partir sur une base de non-confiance. C'est bon. Laisse tomber pour l'instant, je suis en train de faire ça. Tu sais quoi, chef? Vas-y, le recule, là, 88, recule, s'il te plaît. Écoute. Tu ramènes à boire, à manger, et après on discute pour la suite. Et après je te libérerai un otage. Ok, vous voulez quoi exactement? Une boisson par personne? Je veux une émote avec Arki, t'es là ou pas? De 96 à Centrale, est-ce que. Arki, pitié! Fais une émote avec le Renoir qui fait ça là. Oui. Et en gros, tu le fais en deux ou en trois émotes? J'arrive. En mode la tête, et l'autre émote des mains, comme ça. Tu vois ou pas? Ok, mécano arrive sur place. Continue par otage. Non, on t'a pas demandé de venir. Mais c'est pas de moi ce que toi. On t'a pas demandé ton avis non plus. J'aurais plus rien pris. T'es pas le négociateur, il a dit l'autre est. S'il vous plaît, monsieur, veuillez reculer là et arrêter de nous parler. Je vais négocier, vous voulez que les otages meurent, monsieur? Ok, parfait. La négociatrice, c'est celle du milieu apparemment, non? Eh, on négocie tous, nous, c'est pas comme vous. Ok, bon, du coup. Super, monsieur, je m'approche de vous pour vous donner ça, ok? Qu'il fait, c'est bien Ibo? Allez-y. Non, Ibo, non. Ibo, c'est mieux le truc original. Original? Original? Le tien, il a besoin de réparation. Pas, le LSP, je me respecte pas. En tout cas, franchement, désolé. Désolé, le FC Javier. Après, attention, ça veut pas dire que c'est fini, hein, mais franchement, je passe une très bonne soirée là. Mais yo, arrête de porter quelqu'un. Tu vas négocier avec le policier, tu vas faire mettre ta gueule. Moi, je suis en de me régaler. Sachez qu'on veut aucun mal à personne, on veut que ça se passe bien. On imagine, y'a pas de problème. Du coup, messieurs, dames, commençons. Quelles sont vos revendications? Est-ce que vous avez passé un message à faire passer ou autre? Non, je reste toujours bloqué sur mon disque vinyle. Malheureusement, vous comprenez bien qu'on peut pas réaliser votre souhait dans l'immédiat, donc on va pouvoir essayer d'enchaîner. Et de savoir. Regardez si vous avez le plan pour vos véhicules, messieurs. Avoir un échange des barrières et de votre fille. Monsieur, vous pouvez nous offrir un disque vinyle et libérer une voix et on file un otage. Juste un disque de Tupac. S'il vous plaît, préparez-moi une descente pour les quartiers de Jefferson aussi. Hein. N'oubliez pas. Yo, revendique les Morningwood.
On revend le plan. Ah mais rien à voir, on juste je dis à vote qu'on va faire une descente qualité des personnes. C'est pas bon, on s'en fout. Pourquoi tu stresses? C'est pas ça de toute façon, non? C'est voilà, c'est le commandant suprême qui a fait passer un message au capitaine, mais ça a rien à voir avec vous, vous inquiétez pas. Donc monsieur, nous voulons des boîtes de cigares et des iPhones contre un otage. Ok, je vais voir ce que je peux faire et je reviens vers vous, ok? Ok, merci. Super. Bah, et soit 2 iPhones, soit 10 boîtes de cigares, s'il te plaît. On va voir ce qu'on peut faire, messieurs, vous inquiétez pas. Yo, merci, yo, c'est carrément cool, t'as pas. Attends, on va prendre les négociateurs, est-ce qu'ils ont besoin de réparation, les braqueurs? Ah, pour le moment, ils sont sur une demande très spéciale, ils voudraient des boîtes de cigares. Un agent, si on peut trouver ça par hasard. Dans SCZ pour le coup. Hein. Ouais, 10-4, j'en ai ou pas, je vais y aller. Ok, super. Elle est pas en Lincoln. Viens avec moi, 6-9. 10-4, je pars avec 6-9. Ouais. Du coup, la boîte de cigares contre, l'enlevation de, des barrières de droite ou gauche? 10 boîtes de cigares ou 2 iPhones. De droite, ouais. C'est 10 boîtes, okay. Hein, c'est pas une boîte. Hein. 10 boîtes. Bah, y'a un mec qui est parti chercher, vous inquiétez pas. Pas de soucis. Merci, carrément. Bah, super. Du coup, les barrières côté Life in Under, c'est ça? Et prof, vous avez braqué une banque, fallait braquer l'Apple Store. Mais je vais essayer de trouver ça. J'avoue, hein, on est c'est vrai, c'est. Non, parce qu'on a besoin d'or pour faire un iPhone d'or, yo. Tu vois? En vrai, c'est une bonne idée pour des prochains braquages, ça. Ça, c'est bien. Un jour de plus, avoir deux disques vinyles. Du coup, vous me confirmez que c'est bien les barrières côté iPhone d'or que vous voulez retirer, c'est ça? Oui. En vrai, c'est pas mal braquer l'Apple Store, non? Bonjour à tous, les preneurs d'otages demandent à ce que les barrières côté Life Invader soient retirées. Jamais été fait. Qu'un agent puisse s'en occuper, s'il vous plaît. C'est dur à dire Life Invader. Life Invader. Life Invader. Life Invader. Vendor. Ouais, Life Invader, super. Polchar et Buffalo, ça c'est insultant. Stellan et Mondeo, on sera sur l'oracle. Du coup, madame, j'ai l'impression que c'est plus trop vous qui négociez avec moi. Je suis un peu déçu. Oui, moi aussi. Nous sommes tous en négociation, monsieur. Mais oui, j'imagine, après elle s'était prédite qu'elle était négociatrice, c'est pour ça. Oui, elle fait partie, monsieur, mais elle peut parler aussi, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je monopolise pas la parole. Ok, super. Mm. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous pour la suite? Ok, parfait. Bah déjà, on va récupérer ces boîtes de cigares et ensuite on reviendra vers vous, ok? Ok, bah il y a un agent qui est parti déjà au PDP là pour aller chercher. Vous avez vu que du coup là. Les barrières ont été enlevées à votre droite. Est-ce qu'on pourrait récupérer un otage en échange de cette action? Ouais, le flic. On attend juste les boîtes de cigares et on vous file cet otage. Ok? Oh, vous inquiétez pas, hein, dès que les boîtes sont arrivées, on vous les file. On peut braquer moi comme ça. Ça va revenir au même, de toute façon. Vous en pensez quoi? Vous pensez que ça serait une bonne scène RP ou pas? Et Tupac, il est mort. Il est dédicacé de quoi? Malheureusement. Bah, au pire, madame, ce que vous pouvez faire, vous imprimez une photo de Tupac sur internet. C'est pour ça que j'aimerais pouvoir remonter dans le temps. Voilà, vous l'imprimez. Alors, 10 secondes dans le temps, je reviens en arrière comme ça. Là, je les tous, juste pour voir leur réaction. Tu crois que je suis conne ou quoi? Après vous, je reviens comme si rien n'était. Ah, yo, pétasse de merde, je vais une. Vous voulez que je vous lise un truc? Bon, non, pour l'oracle, nous. Il est décédé, le. D'accord. Attends, tu veux une signature de qui, là? De Tupac. J'ai un truc dans la voiture, j'arrive. Ça marche. Si, là, maintenant, quelqu'un mettait le temps en pause. Pendant 100 000 ans, on s'en rendrait pas compte. Vous vous rendez compte ou pas? Ça se trouve là, quelqu'un a mis pause pendant 100 000 ans et on s'en est pas rendu compte parce que ben, pour nous c'est, ça fait juste pause play, tu vois. Mais vu que pendant le temps de pause, ben, on était inconscient. Mais ben, c'est dingue, hein. Garden, tu vas conduire ou pas? Je sais pas. À part s'il construit un truc. Pense, ouais, à part s'il construit un truc ou qu'il change quelque chose, ouais. T'es là à conduire, c'est bien. Bah, j'aimerais bien conduire contre toi, ouais. Bah, c'est bon. T'as l'air d'être confiante. Moi, j'aimerais bien conduire contre l'autre là. Ça fait longtemps. Comment ça fait longtemps? Qui? T'inquiète. Mais nos corps, ils s'en rendent pas compte. Ah non, parce que le temps il a arrêté. Complètement taré, ce mec. Ils ont fait une thérapie. T'as compris, Thomas, reformule. Qui est. Oh là, pourquoi je suis pas Domingo? Ok. Suis caca. C'est trop cher pour acheter un. On a besoin d'argent, c'est la galère, tu connais, les quartiers défavorisés. Putain, mais frère, la commune Domingo, ils auraient compris direct là. Comme nous, tu connais, c'est compliqué, t'as vu, toi t'es de l'autre côté de la barrière. C'est vrai que moi je suis de couleur violette. Et de Kouf-Modo, vas-y, je regarde Nismo, je regarde Kouf-Modo, le message de merde que tu m'as envoyé.
T'as eu de la chance, tes parents, je sais pas, peut-être que t'es riche ou quoi, nous c'est pas le cas. Oui, c'est elle, oui, effectivement, c'est elle, Nismo. Effectivement. Elle appelle ça récupérer tes iPhones. Effectivement. La même vie, donc, voilà. On n'a pas le choix, c'est, si on fait ça, c'est pas pour le plaisir. C'est juste pour, le, pour l'argent. Oui, bon, après, mon papa a quand même travaillé énormément pour arriver là où il est noté. Covid Oligo, t'aurais reçu un PowerPoint en DM. C'est ton père. C'est pas drôle, frère. Là, c'est pas drôle, frère. Qui faisait partie de y'a rien de drôle là-dedans. Ouais. Quoi, les supporters, il y aurait un truc. J'ai voulu te hype. Du coup, ok. J'ai voulu te hype un petit peu. Après, c'est. Ouais. Malheureusement. Accélérer la chose là. J'imagine que vous faites ça pour vivre aussi. Un boîte de cigare, capitaine. Exactement. Oui, vous, ma petite 08. On est obligé de faire ça, Maïdji. Impossible, il n'y aurait pas d'électricité car l'énergie n'est pas affectée par le temps en théorie. Pas de boîte de cigares, on passe oui, sur des iPhones. Oui, on a la place pour la place des boîtes de cigares, il y aura que des iPhones, c'est bon. Masterclass, il pourrait pas remettre play. Il pourrait mettre pause, mais il pourrait pas remettre play. Il y en aura combien? Deux. Je sais pas, mais pas mal. Yous, vous avez, il a dévalisé le. Waouh. Putain, trop cool, Yous. Vas-y, parfait. Elle est trop belle, la fête. C'est vrai. On break directement la Apple Store au pire. Ben, si vous arrivez à vous en sortir déjà. Imagine que pour mettre pause le temps, il fallait de l'électricité, ouais, de l'énergie. De l'énergie, quoi qu'il arrive, tu vois. Oui, c'est l'hiver de Domingo. Tu prends. C'est pour ça qu'il est pas sub. Imaginez, admettons qu'il faille de l'énergie pour mettre le temps en pause. Mais il en faudrait aussi pour mettre le temps en play. Mais si jamais le temps il est en pause, il n'y a pas d'énergie qui est créée ou de l'énergie qui peut être utilisée vu que tout est freeze. Avec grande tristesse. Je sens que dans 5 minutes ça va être fini. Grande tristesse, pourquoi faire? Ils ont eu leur cigare ou quoi, 37? Non, mais par la. C'est qu'il demande autre chose, même pas des iPhones. Alors, on vous a donné l'information souvent. Allez, viens là, ça va pas être possible. Mais on va voir qu'il y a des téléphones. Soleil se lève et se couche, donc rien n'est freeze du coup. Non, mais si, mais l'univers entier est freeze. Viens là, 8-8 là. C'est pas juste la Terre ou juste ta ville, frérot, sinon c'est bizarre, ouais. Mais tu sais comment je t'ai fait prendre un étage, toi? 300 mètres. On a tout, yo. Y'a aucune énergie qui met play pause autant. Alors, Loki, et t'as pas eu l'idée théoriquement, de... t'as raison. Par contre, dans les faits, la marche arrière, je sais pas, c'est tu peux réduire le temps, en fait, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais dans les faits, tu peux réduire le temps. Tu peux, en fait, tu peux réduire le temps de manière infinie, mais tu peux pas le mettre sur pause. Je m'explique. Tu peux mettre le temps en fois 0,01. Si tu te rapproches assez près d'un trou noir. Et c'est vrai que tu peux pas le mettre sur pause. Mais. Est-ce que ralentir le temps à l'infini, c'est pas. Quelque part, mettre le temps en pause. Allez-y, bah mettez-vous en voiture. Hey, préparez-vous, ils vont partir. Allez, c'est parti. Ouais, allez, c'est parti. Je vous sens chaud là. Ouais. Y'a quelqu'un qui est tout seul. L'oracle, nous ? Oracle avec 37, okay, ouais. Si vous inquiétez pas, on va vous sortir de là, d'accord ? Vous allez juste écouter. Normalement, ils vont partir derrière. Oui, bah, vous demandez de rester à côté du véhicule et une fois qu'ils seront partis, vous allez nous rejoindre tranquillement. Pardon. Ouais, je vais y arriver. C'est qui le plus grand policier de tous les temps, c'est moi. Je suis le plus grand policier de tous les temps, je suis midi sous l'axe. Sans vous on serait pas là donc. Je suis le commandant suprême sous l'axe, c'est moi qui arrête Kyle Perico, c'est moi qui arrête Léon Bolton, je suis le commandant suprême sous l'axe. Y'a une Tango qui veut se split. On change un peu non ? J'aime bien, non j'apprécie le. Je suis le plus grand flic de la ville. C'est moi le plus grand flic de la ville, je suis le flic le plus complet de la ville. Oui, c'est pas faux. Attendez, commandant, je me concentre. Faites attention à vous. Ah, pardon. Je suis le plus grand flic de la ville, c'est moi le plus. C'est qui le plus grand flic de la ville? C'est moi, c'est Mehdi Soulak, je suis le plus grand flic de la ville, je vais arrêter les criminels. Ne repense pas à tes idées sombres, Soulak. Dans ton point de dépression, tu vas y arriver. Ok, c'est bon, je vais y arriver. Je vais y arriver, capitaine. Ok. Vous êtes sur la radio, au cas où? Radio 2? Ouais. Ouais. Parfait. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit de Felon. Moi j'aime bien les Felon. Moi j'aime bien les Felon. Ouais, moi aussi j'aime bien les Felon. Tu sais, capitaine, je voudrais pas me jeter des fleurs. Mm-hmm. Mais je suis le premier keuf à avoir décelé le potentiel de cette Felon et avoir mis des gyros de phare dedans. Ah ouais? Ouais. Oh. C'est dingue, hein. C'est de là où est venu tous ouais. Les leads ont pris des Felon. Ouais. Incroyable. De mon temps. De mon. Merde. Ah ouais.
de mon temps personnel, j'utilisais les Phaelon. Et je me suis dit, mais en vrai, c'est un bon véhicule, il est beau. Parce que moi, j'aime bien les véhicules simples. Tout le monde, ils aimaient bien les Jugulars, les trucs comme ça. Ouais, c'est moche, les Jugulars. Ouais, du coup, j'ai demandé à ce qu'on, si on pouvait foutre un Giro là-dedans. Ouais. Et depuis, c'est carrément devenu un véhicule de flic maintenant, la Phaelon. Mais c'est incroyable, hein. Ouais. Je suis plutôt fier de ça. Putain, je vais en apprendre encore ce soir. Ah, oh putain. Désolé. C'est dans le plan. Désolé, je suis vieux. Il a 58 ans, hein. Oh. Tu l'as, 25. Enfin, c'est devant le record. Non. La grossesse. Eh ben, j'ai plus les mêmes réflexes qu'avant. Écoute, j'ai mon âge, hein. Vous avez quel âge derrière, Eos? 58! Quoi? Prendre sa retraite là, hein? T'es 11 pour capitaine? Ah. Tu conduisais ou pas? Macron! Non, c'est le commandant. Il y a la moitié du putain qui est resté dans la banque. Ah ouais? Moitié du putain qui est resté dans la banque. Des lingots qui sont encore sur la table, dans les coffres, etc. Oh, j'aime pas les gens comme ça, je déteste. Désolé. Je les déteste. T'as entendu radio ou pas? Non? Oui, la moitié du putain qui est resté dans la banque? Ouais. Incroyable ça. Lui, c'est, j'ai l'impression que c'est le style de mettre des feintes là. Ouais, je vais faire attention. On va passer sur votre droite, 37. Allez-y. Yeah, Résultant, vous êtes comment? Pour l'instant. Parfait. Il fait le même pattern depuis tout à l'heure. 05. Allez, montre-leur que t'es pas finito. Tu sais que là, si vous arrêtez, on fait un article dans le journal. Ah ouais? Avec en titre, même âgé, jamais fini. Voilà. Il me fait chier de fou. Je suis pas finito. Vous êtes pas finito, commandant. Je suis pas finito, capitaine. Je te jure, voilà, là on glisserait de fou. Yo. On avancerait même pas. Yo, effet de masse. Yo, c'est carrément une bonne idée ça. On va passer devant quand vous pouvez. Plus 4. Yo, c'est des attentats ça. Yo, on est proche de vous, tel un requin, messieurs. Les carcerotés. Eh oui. Les taux. Ah oui, c'est les taux, ouais. Et putain. Je l'ai, capitaine. Vous êtes pas finito, commandant, ok? Je suis pas finito. Garde le lead pour l'instant. Ok, je le reprends, vas-y, c'est bon. Ouais, moi je suis en Lincoln, c'est pour ça. Ok. T'es tout seul? Non, ouais, t'inquiète. Ah, ok. À 4 ans, on reste en code 5 autour. Ouais, de même pour nous. Ok, Thomas, des fois il fait vraiment, il va à droite. Il s'est mis derrière vous parce que vous allez faire un plan ou pas? Et là, il... Non, ok. Ah? De quoi? Il s'est mis derrière vous parce qu'il va y avoir un plan. Qui ça? Non, rien, c'est tombé. Yo, y'a zéro plan ici, hein. Ouais. Capitaine, je le. Mais attends, mais je suis le commandant, si je veux le pitch, je le pitch? Bah oui, c'est Paris ce que j'ai, hein. Bah oui, c'est vrai! Yo, non. C'est vous qui choisissez. Si je veux le tirer, si je veux tirer dans les pneus là, je veux dire qu'il va me dire quoi? Personne n'a rien dit. Oui, je suis en train de réfléchir là. Des gens qui viennent porter plainte contre qui? Attendez, bah attendez, il y a le commandant, je me le parle. Répétez votre truc. Alors, du coup, il y a des personnes qui demandent du coup de porter plainte contre 113. Parce que je cite, il m'a fendu le code. Pourquoi il a fait ça? Je sais pas. Je vais devoir appeler le juge. Est-ce que vous voulez être présent? Non, c'est bon. Prenez la plainte, on verra ça plus tard. Parfait, mon capitaine, faites attention à vous. S'il leur a fendu le crâne, c'est qu'il y a une raison, non? Des plans nuls, yo. Bah, je pense, hein. On verra. J'ai vu dans les rapports que c'était un bon agent quand même, 113.
Il a arrêté beaucoup de monde, mais quand même qu'il a, il en fait qu'à sa tête, quoi. Ouais. Comme mais moi, il a arrêté du monde. Comme moi quand j'étais jeune. Là, bon, il a un bon palmarès, quoi, on va dire. Comme moi quand j'étais jeune et regardez où j'en suis, capitaine. C'est vrai. Passe, 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 passe. Putain, petite salope. Fait le même tour. Oh, il a pris l'autre côté. C'est le même endroit, capitaine. Ah, ouais. Ok, ok, on arrive. Il fait, il tourne sur lui-même là, ouais. Pour l'instant. Il veut le décacher. T'en as pas de reprise, la Felon, hein. Ouais, c'est pour ça qu'il vaut mieux être sur l'oracle que sur l'insultant. Vous avez oublié les barrières, capitaine, ouais. J'ai reçu. Ah, vous avez pris la barrière. Non, non, le véhicule que vous avez esquivé, il a tourné sombre. Adam 05 et 83. Oh, oh, pas mal ça. Je suis pas finito. Off pour la soutane de notre côté. Ensuite, j'aurai besoin d'une backup du coup sur notre rack. Oh mon dieu. Aïe. 10-50 perdu du véhicule, Arcadius, direction parking rouge. Au pire. Je suis vraiment pas loin, je vais essayer de recoller. On a tapé une biche. Je suis finito, capitaine. Non, vous êtes pas finito. Je suis finito, capitaine. 08% près, mais c'est la reprise. Je vais on va aller faire la supérette. Ok. Adam, capitaine, commandant suprême, on va sur la brèche de supérette. Je l'ai, commandant. Oh, il a encore l'oracle. Oh. Faites-moi des 19-37. Direction place des cubes actuellement. Ok, on arrive. Du coup, je vais pas à la supérette. Direction ancien hôpital, pillbox. C'est bon, on vous a, 37. Vous avez, là, vous avez l'occasion de vous rattraper, commandant. J'ai toujours direction. Montrez-leur. Je vais la remontrer, capitaine. la dame des papis. En direction de l'est, ah. Direction Wardog, la méta. Okay. C'est bon, on est derrière. Vous avez les véhicules sur le GPS ou pas, hein? Ouais. Okay. J'ai l'impression d'être Zerator. Pourquoi? Je suis un papy. Yo, yo, oh yo, yo, oh yo, nickel, yo. On l'a rattrapé. Ah, désolé. Il me saoule. En plus, je suis trop naïf, moi, sur ça. Moi, je suis trop naïf. En plus, il s'excuse. Non, toi, je vais te baiser que je t'arrête pas, je te le dis. Hein. Mais non, mais c'est bon, yo. Je m'excuse parce que je suis un gentil. Oui, oui, un gentil braqueur. Un gentil braqueur qui va finir en prison si je l'arrête. C'est incroyable qu'il passe la frontière à tout Berzang là, non? Il peut pas, non? Si, il peut? Non. Ouais, ouais. Ok, radio sous ordre du commandant, on sort le tank. Big Brain! T'aimes bien rester collé aux fesses? Rattraper 37? Non, c'est léger, je suis zéro. Ok. J'ai la Mondeo qui sautille comme d'habitude, donc moi un peu galère. Ouais, pas de soucis. T'inquiétez pas, le commandant n'est pas finito. Je suis pas finito. Bon alors, aïe! Bon, c'est quoi, c'est lui que j'arrête? C'est lui que j'arrête. Vas-y, fonce, fonce, je prends un sultan! Tu me prends, c'est bon? Oui, viens. Tu veux me pite, toi? Tout droit à gauche! Tout droit à gauche! Gauche, lève gauche, les mains en l'air! Les mains en l'air! Va. Ok, j'y vais. Alors lui, alors toi, tu vas mettre tes mains en l'air, mais jusqu'au ciel. Va contre le mur! C'est moi. Va contre le mur, dépêche-toi! Comme si il y avait besoin qu'une sultan me casse la route pour que tes copains me sèment. C'est pas mon pote, je me suis trompé. Vérifie sa putain de voiture de A à Z. Vérifie ça. Mettez-moi en l'air jusqu'au ciel, je t'ai dit. Mettez-moi en l'air.
Tu crois qu'ils ont besoin? Aïe. Hein? Aïe. Je me suis trompé. Toi t'es mort. Toi t'es mort mon pote. Non, mon téléphone. Je te promets que t'es mort. Je te promets que t'es mort. Non mais je... Non, je te promets que t'es mort. Monte dans ma voiture. Non, c'est monte dans ma félone. Monte dans ma félone. C'est la sultan qui était sur le braquage, commandant. Ah ouais? Ouais. Super. Très non, bien. C'est pas vrai. C'est très bien. Si. Monte. Y'a rien dans la boîte à gants et tout, capitaine? T'as la plaque? Boîte à gants, non. Oui, c'est j'ai la plaque. C'est pas celle-là. Non, non, j'ai la plaque. Monte dans la félone. Vas-y, mais... 05 LVL 957. Ah, c'est bien ça. Ah, mon lapin. J'ai 58 ans, j'ai pu faire une course poursuite. Il vient avec une soutane, il me rentre dedans. En plus, il me rentre dedans. Combien de fois il me rentre dedans? Il m'a rentré dedans, toi, tu m'as si, pas tapé si. Dedans, ah, tu m'as non. Tapé derrière. Combien de fois? Au moins 3 fois, on est d'accord, au moins 3 fois. Toi, tu m'as tapé dedans. Non, alors, t'as mis un coup de volant exprès pour pas qu'on passe. Hein. Pour pas pour des oui, gens. Mais ça s'appelle bloqué. Moi, j'ai foncé sur personne. Oui, oui, tu vas voir. Il y a plus de MCG, commandant. Je me suis arrêté direct, j'ai compris. Ah. Je me suis rendu. Oui. Bah, tu t'es rendu parce qu'on a fait des sommations. Sinon, non, j'ai pas fait des sommations, j'ai tiré dans ses pneus. J'ai tiré dans ses pneus. Oui, mais j'allais m'arrêter. Écoute, capitaine, je te dis la vérité. J'ai tiré dans ses pneus. La dernière balle que j'ai failli tirer, je visais la tête. Je te le dis, capitaine, voilà, entre vous et moi. Après, je suis le commandant suprême, je fais ce que je veux, de toute façon, premièrement. Et deuxièmement, oui, c'est vrai que je visais la tête. Il est vrai. Mais monsieur, j'avais freiné. T'avais freiné. Et freiné, on va voir si je vais freiner, moi. On va voir. Mais pourquoi on va au poste, monsieur? Non, on va pas au poste. Je m'excuse. Ah c'est bon capitaine, il s'excuse. Oh c'est trop facile là, Jean-Louis derrière là, oh. Tu t'appelles comment? J'aurais dû rester dormir. Comment? Je m'appelle Tariq moi. J'aurais dû écouter mes frères. Surtout vous prenez la suite. Non s'il te plaît, non. Restez dans la voiture. Non, les mauvais souvenirs. Franchement, je l'ai déjà fait, lui. Capitaine, vous dites rien, s'il vous plaît, capitaine. Non, mais je suis d'accord. Mais regardez, je me suis arrêté direct. Il aurait pu reprendre l'oracle, mais il m'a niqué moi. Il a dit, je l'arrête lui. Parce qu'en fait, je l'ai trouvé sur le bord de la descends route. Descends de la voiture. Je l'ai prise. Tu as dit quoi? Qui descend de la voiture, là, le méchant, là. Je m'excuse. Descends, c'est pas une... Va contre la voiture d'abord. Celle-là. J'ai toujours respecté les agents. C'est vrai, t'as toujours respecté les agents. C'est quoi ça? C'est mon téléphone. Pourquoi t'as des menottes? Parce que c'est... Je les ai achetées. Je les ai achetées, monte à l'arrière. Non, s'il te plaît. Monte dans cette putain de bagnole. Mais je vais mourir! Attends, regarde, je me retourne, je t'attache là. Je t'attache, je prends mes menottes, je les attache au siège derrière toi là. Non! S'il te plaît, tu veux des infos, je te donne tout. Je te donne tout. Attends, t'étais tombé là! Non! et là, du coup, c'est. C'est mes méthodes. C'est la menthe, c'est ça? Ça, c'est mes méthodes à l'ancienne, capitaine. Ok. Non, s'il te plaît. Regarde, s'il te plaît. Attends. Vas-y, attends, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. C'est quoi, je t'écoute? Vas-y, tu veux quoi, je t'écoute. Vas-y. Tu veux quoi? Je te donne tout. Je veux le nom prénom des gens avec qui t'as fait le. Qui ont fait le braquage là. Ok, il y en a un, il s'appelle Clinton. Clinton? L'autre, il s'appelle Alex. Clinton, Alex. Et un, on l'appelle AK. Et l'autre, vous l'appelez AK? Non, c'est bon, c'est bien les noms, ça. Oh, il a pas de code, le con. Oh, il a pas de code. Ouais, c'est les mecs de chez nous. Ah, dès que tout le monde est safe, quelqu'un peut venir me chercher à l'hôpital, s'il vous plaît. Waouh, la conversation de groupe, capitaine. Ouf. Ah ouais? Aïe. Ça, c'est du caviar, mon capitaine. Hein. T'as mis tout, Tarek? Bon, c'est un G-Boys. C'est marqué G-Boys, façon, dans la conf. Tu te fous de ma gueule, Tarek, hein. C'est marqué non, dans la conf. Mais j'ai dit que je venais de Jefferson, moi. T'étais sur le braquage, oui ou non? On a mais un flic, vous... Chopin, un autre gars, n'importe qui. Ah ouais? Position de la banque. Bon, mais voilà, c'est super. Voilà, ça va pouvoir oui, faire avancer les enquêtes. J'étais dessus, oui, je l'assume. Mélo, c'est Mélo qui a un flic, apparemment.
Tu connais Mélo, Tarek? Mais normal... ouais, je connais, bien sûr. Mm-hmm. Mais normalement, ouais. Normalement quoi? Vas-y, je t'écoute. Non, rien. Vas-y, en vrai, dis-le. Non, rien. Mais tu peux le dire. Y a pas de galère. Non, mais je sais pas, ils m'ont pas viré de la conf, je sais pas. Non, ils t'ont pas viré de la conf. Non, ils t'ont pas viré de la conf. Ah non, t'es bien dedans. Regarde, je vais leur envoyer un selfie de moi. Putain, c'est des incapables. T'as passé une bonne journée, Tarek, non? Bah, en vrai, je comptais rester chez moi aujourd'hui. Mais t'aurais dû. Et je suis sorti. Pourquoi tu fais une banque? Pourquoi vous avez kidnappé un agent en plus? Bah, il vous l'a expliqué. J'ai vu, il est direct allé devant vous, il vous a dit des choses, votre collègue. Qui? Bah le collègue qu'on a attrapé. Allez, bah je veux l'entendre dans votre bouche. Vous voulez entendre quoi, monsieur? Pourquoi vous avez kidnappé un agent? Bah... pour moi je connais la réponse, mais je veux que tu sois franc avec moi. Non mais c'est un défi entre nous. C'est un défi qu'on s'est donné ou... De quoi? Mais c'est ça. Je connais la vérité. C'est un défi, mais si, c'est ça. Nous, on a fait ça. C'était le premier qui kidnappe un cop s'il avait gagné. Oui. Ouais, non, il a un point, cette nuance, tu vois. Ah non, moi, je sais pas. Là, tu me prends pour un con, tu vois. Ah non, mais nous, peut-être qu'il y a un système de points, mais ça, je suis pas au courant. Mais en fait, on s'est fait un défi dans le quartier entre nous et on doit acquérir certains trucs pour parvenir à avoir des choses, tu vois. Et c'est quoi, là, qui allait être parvenu pour vous? Bah. Hey yo, va te faire foutre en forêt de merde, yo! Casse-toi d'ici, yo! Bah, t'es pas chez toi en forêt! Ça devient un gros crois pas, t'es confiant là! Tu manquerais pas de te faire descendre dans le coin en forêt! Toi, t'es quoi? T'es une petite merde? T'es quoi? Dans le quartier? Moi, je suis un petit, moi, tu connais. Bah, on me respecte, c'est normal, parce que je suis quelqu'un d'aguerri, mais sinon, je suis un petit, non? Ok. Putain, mais t'as beaucoup trop de messages, ton téléphone il bug, mon pote! Moi, ça va, hein! Enfin, je sais pas, peut-être. C'est moi? Moi j'ai énormément de messages. Y'a l'air pas dans ton téléphone toi, capitaine? Oh non, bah ça va, commandant. Tu me prépares une descente, capitaine? G-Boys? Jefferson, ouais. Ouais, s'il te plaît. Pourquoi on voulait ça? Là, maintenant, là. Maintenant? Maintenant. Ok. Non mais je bug. J'arrive. Mais vous pouvez me libérer? Non, on va te tuer. Yo, va te faire foutre, dégage d'ici toi. J'étais franc. Y'a pas de chef, tu crois on est dans un restaurant, culé toi? Hein? Sermax David et DOS. Bah, s'il vous plaît, monsieur capitaine, parce que je sais que le commandant il est un peu énervé. Ah, tu te démerdes avec le commandant, hein. J'ai été franc avec vous. Oui, mais j'ai discuté avec vous, j'ai été franc, je vous ai donné toutes les informations possibles et nécessaires pour subvenir à mon. À mon libère, je sais pas quoi, mais. C'est vrai qu'il gagne un point, commandant, là-dessus. C'est-à-dire ouais, Non, attends, descends. Non, parce que tes collègues, ils font les malins avec moi, par téléphone, là. Non, ils font quoi, s'il te plaît, attends. Ils font les malins. Ils font quoi? Allô? Dites-leur que je suis. Ouais, c'est oui, c'est oui, bien, l'ancien. Commandant suprême Soulax au téléphone. Ouais, enchanté. Enchanté. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais il se passe quoi là? Je vois que mon gars il est au bord d'un rebord. Ton gars, c'est toi le chef, l'ancien? C'est pas ma question. Mon gars, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Bon, écoute, si tu réponds pas à mes questions, je répondrai pas aux tiennes. Est-ce que c'est toi le chef, l'ancien? Je suis un ancien, comme mon nom l'indique. Un ancien? Est-ce que t'es le chef ou pas? Je suis une tête. T'es une tête? Est-ce que t'es la tête ou pas? Je suis une tête, c'est ma réponse. Ok, bon, il se trouve que toi et tes amis Mélo, Tipex, tout ça là, ils ont fait un petit braquage de banque. Il se trouve que pendant la course, comment il s'appelle le trou de balle là? Oh, comment tu t'appelles? Tariq. Ouais. Il se trouve que Tariq, il a voulu me faire un petit plan mule là. Du coup, maintenant, je l'entre à mes mains. Sauf que moi, je suis de l'ancienne école, moi, en termes de police. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est quoi ton grade, ton matricule? Commandant suprême 66 sous l'axe. On se connaît pas, bienvenue à Los Santos. Ah, ça fait, j'étais là avant que tu naisses, mon pote.
Ah, c'est pas possible, t'as quel âge? 58, et toi? Ah, j'ai 28 ans, c'est vrai. Ouais, j'étais là, je t'ai dit que j'étais là avant que tu naisses. Ok, dis-moi ce que tu veux. Ce que je veux? Mais bah, je veux rien. Je récupère mon gars, moi. Non, non, je veux rien. Tu crois que je suis un badass, moi? Non, je veux rien. Mais c'est quoi? Bah, lâche mon gars, alors. Non, je vais. Non. Je vais m'en occuper. C'est quoi le but? Je vais m'en occuper. Plaît, comment ça, tu vas t'en occuper? Au revoir. Je te dis, s'il m'arrive quelque chose. Quoi? Je te dis. Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est ton pire cauchemar. Mon pire cauchemar. Oh non. Tariq, il est en train de te supplier de pas me menacer, là. Non, c'est pas de menace. C'est vraiment pas de menace. Je vais pas te sortir la phrase c'est des promesses ou quoi. Bon, regardez, tu sais quoi, j'arrive chez vous dans pas longtemps, d'accord? Restez chez vous. Restez chez vous, restez chez vous. Voilà, restez chez vous. Je suis devant. Restez chez vous. Eh, préparez. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, non. Ah, ben voilà. Non. Oh merde. C'est. Ah, ok. Vous avez de sacrée méthode, commandant KM. Il s'en remettra, je pense. Oui, j'espère. Parce que vous l'avez menotté en plus, non? Oui, il est menotté. Ok. Bon, les unités, ils sont au poste. Ils sont prêts là à faire la descente? Ouais, on va juste leur faire le topo et puis on va pour y aller. D'accord, ça marche. A chaque fois ça m'arrive, capitaine. A chaque fois je me dis, je vais le pousser juste pour qu'il soit au bord du ravin et à chaque fois il tombe. Et s'il tombe. Oh putain, c'est incroyable. C'est le premier? Ah non. Et vraiment, capitaine, la gravité, faudrait qu'on en parle un jour, c'est fou. Hein. Bah, je fais ça. Non, mais c'est fou. Ses pattes. On est en hauteur et on tombe. Ouais. Bah, oui, c'est vrai, ouais. Mais c'est vrai, hein. Vous avez pas tort, commandant. On pense que. Qu'on a touché le fond, et non, on arrive à tomber encore plus bas. T'arrives à descendre? Ah ben voilà. Moi j'ai peur. Appelle un EMS là, appelle quelque chose. Bon rétablissement. J'ai pas les médecins. Non, il appellera tout seul. Okay. Va se débrouiller. J'en suis sûr. Et plus tard, Tariq. J'ai dû dormir. Tout le monde est au poste là? 10-5, capitaine, on arrive. Allez, dépêchez-vous, il vous reste 2 minutes là. Hop. On arrive. Oh là, non, tout va bien. Non, ouais. Vous voyez, comme quoi vous pensez être finito, mais au final vous savez vous relever. Ouais, mais je suis pas en poursuite là, ça sert à rien au final, j'ai esquivé la voiture pour rien. Après, il s'est mis en train de notre chemin aussi. Pardon? Il s'est mis en travers notre chemin. Oui, c'est vrai. Oh, attends, une petite bande de drogue juste à côté là. Elle est gratuite celle-là. Bon, on est d'accord que c'est pas une bavure ce que ça là. Ça, non, faut pas en parler, éviter quand même. Parce que moi je suis droit dans mes bottes quand même. Non, ça c'est un truc que dans le dispatch, les gens de l'état-major on peut se permettre de faire, mais pas pour montrer l'exemple. Alors, moi vous êtes sûr, jamais je ferai ça. On est mort. En plus, je l'ai. Alors, on arrive. Bonsoir. Ah, allez-y, madame. Vas-y, continue. Ouais, peut-être comme si j'étais pas là. Ah non. Tu veux qu'on te dépose? M'écrasez pas. Mais non, on n'est pas comme ça, madame. Non, on n'est pas comme ça. Allez, au revoir. Oui, vous attendez dans le dispatch, commandant. Ah, bah au final, c'est shooté. Ah bah les couilles, je suis le commandant, je m'en fous, j'ai une vente de stupeur. Madame 91, on est arrivé. Oui, bah après c'est toujours intéressant d'en faire. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça vous a détendu au moins? Ça me fait du bien, c'est vrai que ça me fait du bien. Voilà, ça va être tendu en quartier, je pense. Hein. Maintenant on peut plus rien faire, commandant, capitaine. Moi je vous dis la vérité, on peut plus rien faire. Maintenant les gens ils ont des avocats, ils ont des trucs, ah oui, bah ils défendent, ils portent plainte. Moi de mon temps, capitaine, les gangsters, tu leur faisais ça, ils te remerciaient, capitaine. Ils me remerciaient, ils me disaient merci de pas m'avoir mis en prison. Certes, j'ai une jambe cassée, certes, j'ai un bras cassé,
Mais je referai plus. Mais je ne suis pas en prison. C'est vrai. Maintenant. Il n'y a pas de grosse amende. Bah oui. Non, mais c'est vrai, d'un côté, parce que c'est bénef aussi. Hein. Moi, au fond, je leur rends service. Voilà ce que je fais. Ce que je fais, c'est. En fait, je me tords en quatre pour leur rendre service. Et comment je suis remercié? On porte plainte contre moi. Après, on s'étonne que je fasse des dépressions, mais c'est normal que je sois triste. Oui, après, vous me pas ça, sache. Oui, non, mais c'est vrai. Bref. Alors que tout le monde essaie de travailler. Les agents lui disaient de ne pas crier. C'est par là. Il n'écoutait pas les agents. Je le savais. Il a goûté au caoutchouc. C'est aussi simple que ça. Oui, vous étiez là. Hein. Mais il faisait chier tout le poste. Hein. C'est travail. Trop relou. Et apparemment, il aurait un autre truc aussi avec le commandant suprême. Qui l'aurait insulté ou je sais pas trop quoi. Et qui aurait pris son frère en voiture. Alors dites-lui de la prochaine fois s'il veut porter plainte qu'il note LSPJ hein, et pas les matricules. Oui. Qu'est-ce qu'il a le commandant suprême? Oh, laissez tomber commandant, un guignol qui veut porter plainte. Hein? Encore un. Comment il s'appelle celui qui veut porter plainte? C'est un guignol qui s'amusait à crier dans tout le poste et que j'ai dégagé à coup de flashball. Oh. Ok. Bon, messieurs, dames, ça va vous passer? Ouh là là, on est moins que tout à l'heure, hein? Oui. On a pris une claque. Ah, vous pouvez appeler les Marshall si vous voulez renfort, hein? C'est quoi leur radio? 45. Ça leur fera plaisir, ils adorent faire ça. Commandant, pour les Marshall, vous me recevez? Commandant, pour les Marshall, est-ce que vous me recevez? Vous êtes sûr, c'est 45? Ouais, ils sont passés à 35, je crois. 35 bon, comment ça? Oui, ils changent de radio tous les jours. Je sais là. Pas, je sais pas. Commandant, pour les Marshall, vous me recevez? Quelqu'un? Quelqu'un me reçoit? Vous voulez juste d'appeler un Marshall TPH? Peut-être qu'ils ont encore changé. Hein. Appelez, quelqu'un appelle Cortez TPH, s'il vous plaît. Je m'en occupe. Dites-leur de venir fréquence 1. Ah bah c'est vous, capitaine. Grosso modo, j'ai des grands soupçons comme quoi ça pourrait être les Jefferson qui ont braqué la banque là. Ce soir, donc on va aller faire une descente, on va vérifier. Ok. Très bien. Ok. C'est parti. Oui. Ok. Ok, bah super. Les dames sont déjà prêtes, 37 ou 26? Oui, il faut attendre vos heures. Vous êtes occupé là, lieutenant? 26, je te laisse faire le dispatch, je vais voir si on a reçu peut-être nos nouveaux blindés. Ophi, du coup, 69, tu pars avec du coup 9-3, 8-8 avec 0-8, 0-5 avec 91. 7-1 avec 25, 23 et ainsi que 22 avec moi. Alors, c'est un quartier, messieurs dames, où ils peuvent sauter les murs, hein, je sais pas si vous l'a dit. Hein. Oui, ouais. Bah, que certains murs. Tout le monde est parti, il n'y avait pas eu de briefing. Bon, je sais pas trop quoi penser là. Je les ai supprimés en Adam. Non, mais pourquoi faire là? On n'a même pas de plan, on n'a rien. Alors, vous informez les Adam, on vous a pas dit de partir. Hein, c'est personne leur dit de partir. Hein. Où, là, hein. C'est l'habitude du dispatch. Oui, mais c'est pas un dispatch comme une autre, là, c'est une descente. Là. Ouais, c'est pas, vous pouvez revenir avant, avant que je m'énerve, s'il vous plaît, là. Excusez-nous. Ah, ok. J'ai une question, mais qui? Qui quoi? Qui vous a demandé de partir? Ah, excusez-nous. Ah, excusez-nous. Ouais. L'habitude, commandant, désolé. Oui. Capitaine, il est en train de dire quelque chose de pertinent. C'est un quartier où ils peuvent partir. Ils peuvent sauter les murs de tous les côtés. 360 degrés, d'accord? Donc je veux pas qu'on rentre tous du même. Quoi? Tu me coupes la parole là? Tu me coupes la parole? Non, excusez-moi! Refais des pompes au milieu pendant que je parle, s'il te plaît. Non, s'il vous plaît! Non? Si, d'accord. Arrête de dire non. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas y aller tous devant comme des gogoles. On va. Excusez-moi. On va bien encercler ça, d'accord? Chut. C'est bien compris? Oui. Allez, un petit peu de vie là, j'ai l'impression de parler à des morts vivants. Oui, c'est bien reçu, commandant. Arrêtez de vivre dans la peur là, je suis pas méchant, hein. Soyez tranquille, détendez-vous. Moins fort. Excusez-moi. Ah donc, il y a des entrées nord, sud, est, ouest, d'accord? Vous êtes assez grand. D'accord, pour vous dire, moi je prends l'est, l'ouest, le sud, le nord, on s'en fout, d'accord? Vous êtes assez grand.
Soyez comment on dit, c'est quoi le mot? Autonome. Continue à faire des pompes, je t'ai pas dit de t'arrêter. Et une Adam qui est en code 5 autour, électron libre, ok? Let's go. Bien pris. Vous pouvez y aller. Merci commandant. Allez viens Stan. Ya 25. Ya Stan. Comment tu peux aller ou pas? Qui t'a dit que tu pouvais arrêter de faire des pompes? Pardon, pardon. Yeah. Moi je t'attends en bas, yeah. Stan. Yeah. Yeah. 23, vous êtes avec qui? Avec Sergent, capitaine. Yeah. Okay. Bah. 23, assieds-toi sur lui, s'il te plaît. Paf. Comment? Assieds-toi sur lui, s'il te plaît. Yeah. Yeah. Non, 23, s'il te plaît. C'était avec 22, c'est ça? Non, 23. 22, il va y avoir 23. Yeah. Ok, ok. Capitaine, yeah. Est-ce qu'on pourrait vous parler rapidement, s'il vous plaît? Oui, dites-nous rapidement, oui. Yeah. Ok. Yeah. Vous savez que... Stan avec... Ah, mince, pardon. J'habite du coup Jefferson. Ouais. Et du coup, bah, vous savez que je suis en couple avec du coup CIA. Ouais. Et du coup, je sais pas ce qu'on va retrouver dans mon appart. Ah, on va retrouver quoi là-bas si on va voir? T'es lent, Vincent. Je sais pas du tout, justement. Bah, je lui ai dit si elle était pas là. Pardon, pardon. Je t'en prie, pardon. Je peux pas. Allez, allez, dégage. Comment 75? Je sais même plus comment. 69. 69, allez, dégage. Oui, j'y vais. Allez, hop, 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 au boulot. Marshall, du coup, topo pour vous. Descente G-Boys, Jefferson, d'accord? Vous accompagnez. Vous êtes combien de véhicules? Parking. Comment? On est que 3. Vous êtes 3 véhicules? Il y a un train pour 26, s'il vous plaît. Il y a de la drogue dans l'appart de Diana. J'aime trop mon PDP, la chienneté. Oh, on a une botte. Les enceintes pour état-major. Oui, c'est bon, le truc illégal, là, je sais pas quoi. Ouais, le jeu. C'est là la salle de dispatch, il y a marqué dispatch là. Mais c'est pas du tout une salle de dispatch, il y a marqué dispatch, mais c'est des gros menteurs. Ouais. Mais n'importe quoi. On prend des véhicules comme ça, on est d'accord. Hein. Ok, bien pris. En ligne devant le parking, s'il vous plaît. Je vais partir. Je suis en train de voir pour le blindé, Captain, mais je vous garantis rien, et surtout qu'on en a plus du tout. Non, c'est pas grave, t'inquiète, on va juste booking nos véhicules, t'inquiète pas. Il est en particulier ou celui-là, il va très bien. Eh, allô? Oui, j'ai passé une excellente soirée. Canaille, 93, t'es où? Franchement, incroyable. Allez, tout le monde en voiture, là. Go, go, go. On y va? Ça fait plaisir. Non, d'abord, non, on y va pas. Mettez-vous. Oui. Mais tout le monde en voiture, mettez-vous en ligne, s'il vous plaît, vous connaissez. On est sur le parking extérieur. On attend juste le Riot. 10-4, mon commandant. C'est juste deux petites minutes, commandant, je vais faire une annonce comme quoi faut éviter ça la. Ça marche, zone. Ça marche. 10-4, c'est en radio, c'est pas à l'oral, arrêtez de dire 10-4, bande de suceurs. Bonsoir, les marchands, on est là. Hein. Ça, c'est bien, on se met quelle position, capitaine? Encercler le quartier, partout. Je veux qu'il y ait aucune sortie. Non, mais sur le convoi. Position du convoi. Où vous voulez, peu importe. C'est bien pris. Bien pris. Je veux qu'on y aille ensemble et je veux que le quartier soit bien encerclé. Commandant, vous voulez pas qu'une unité parte directement voir? Non. Okay. Tout va bien. C'est comment le nom de la rue là-bas là? Vous savez ou pas? Jefferson Street, la rue. On fait une descente pas pour vérifier les appartements ou quoi. Ce que je veux, c'est de l'humain. Je veux que vous m'arrêtiez de l'humain. Je veux que le but, c'est que tous ceux qui habitent à Jefferson, mère, enfant, homme, ado, adulte, peu importe, soient menottés contre un mur. Est-ce qu'on est bien d'accord? Les 10-4, c'est dans la caboche. Super, merci. Tout le monde est prêt? Attends, je pose la question à l'envers. Qui n'est pas prêt? Nous. Train à 13, on arrive, on est juste parti mettre l'essence. Les bottes en question, il a tiré sur quelqu'un alors qu'il voulait tirer à côté, enfin bon, mais justement! Justement, c'est mon aimbot! En gros, moi je vise à côté, et après mon aimbot, il alloque directement sur le mec. C'est bon, on est là les collègues! Parfait. Ouais. Allez, on est parti. Vas-y, passez devant nous. Okay, vous restez derrière moi, s'il vous plaît. On met pas les codes? 2 minutes, mon lapin. Alors lui, je m'en occupe après, lui, je vais l'arrêter, tu vas voir. Juste code 2. Et maintenant code 3. Allez, c'est parti, vous m'encerclez tout, encerclez-moi tout, moi je vais devant. Tango lieutenant, on va en prendre un truc. Aïe.
Contre le mur, personne ne court. Contre le mur, contre le mur, tout le monde. Contre le mur, contre le mur. Contre le mur à l'intérieur, le mur en brique là dedans. Oui, oui. Voilà, tout doux, tout doux. Putain, il y a des mecs qui arrivent de tous les côtés. Ouais. Chaque personne que vous interpellez, vous nous les ramenez devant, s'il vous plaît. Chopez-moi tout le monde là, s'il vous plaît. On commence à les mettre contre le mur. Dès que vous me trouvez quelqu'un, vous le mettez contre le mur. Qu'est-ce qui se passe? Quoi ce bordel? Regarde le mur, toi. RS dans le quartier, personne. Comment ça, regarde le mur? Comment ça, regarde le mur? Regarde le mur, Teddy. RS, c'est moi les coups de feu. Écoute, tonton, écoute-le. Y'a personne qui bouge là. Personne qui bouge. Écoutez-moi bien, j'ai pas de taser, j'ai pas de matraque, j'ai rien. J'ai qu'une létale. Y'a pas de soucis, tranquille. Tranquille, chef, comme toi, détends-toi. Ah là, je suis détendu là. Je suis détendu là. Je vais faire une crise de panique, les gars. Je vais faire une crise de panique. Non, tranquille, tranquille, panique. Panique, je te jure, panique. Vous voulez qu'on commence à les menottes, commandant? Pardon? Vous voulez qu'on les menottes ou pas, commandant? Pourquoi? Pourquoi les menottes? Lève-toi, madame, lève-toi. Va menoter les, menoter les. C'est bien pris. On a fait quoi de mal? Ils sont où les autres? Je vais se mettre les menottes. Ils sont pas là, ils sont pas là. J'ai les mamouettes, les gars. Regarde, toi là, toi. Oui, ils n'ont jamais habité ici. Toi, t'appelles, ouais, appelle Chipex, appelle Melo, je leur dis qu'ils viennent tous au quartier là. Vas-y, vas-y. T'as dit quoi? Où ils sont vos potes? Bah, ils sont pas au quartier, ils font leur vie. J'ai pas, madame, je vais pas les appeler sur eux. J'appelle tout de suite. Oui, messieurs. Hey, yo, je suis pas leur maman, je sais pas où ils sont. Mais. Je reste avec. Qu'est-ce que tu fais? Putain, je sens la crise de panique. Voilà. Ça va aller. Tout va bien se passer. Allez, cueillir contre le mur, lui. Ah, bah, il est là, il est devant. Je veux Tipex, je veux Melo, je veux l'ancien. Tipex, il est là. Melo, elle est là. Et moi, je suis là. Non, mais. Melo, c'est une meuf. Ça va, quoi, les copes? Ouais, Melo, elle est là. Et où l'ancien? Je suis là devant toi. C'est toi l'ancien? Tenez-vous, monsieur. Ouais, c'est moi l'ancien. Je vais passer les bras. Regarde le mur, allez, regarde le mur. Passez-moi les pinces, passez-moi les pinces, yo. Je suis trop violent, sinon. Voilà, vous de même. Fais pas comme moi, c'est ça, tranquille. En vrai, vous voulez pas prendre une photo comme ça? Je suis carrément. Non, mon capitaine. Regardez le mur. Non, yo, ce soir, c'est. Regarde le mur. Je vais te prendre en photo comme ça par terre, assis par terre. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Regarde le mur. Regarde le mur. C'était une joke. Alors, comme ça, vous braquez des banques? Il m'a tapé là. Mais c'est pas non, nous. C'est carrément pas nous. Ah, c'est carrément pas vous. C'est carrément pas vous. Non, c'est pas nous. Non, c'est pas vous. C'est quoi qui te fait dire ça? C'est ton pote Tariq qui me fait dire ça. C'est parce qu'on est des Renois, c'est pour ça. Comment ça? T'es même pas un Renois, toi, ferme ta gueule. Yo, c'est Renois, yo. Si, c'est un Renois. Bien sûr que si, c'est un Renois. Yo, la BS, t'as donné du racisme en plus. Mais il se passe quoi, putain de merde? Va contre le mur, toi. Sortez-vous, vous pouvez le monter au sein du mur. Lequel? J'étais en train de regarder la télé là-haut, là. Eh, doucement avec les jeunes, les gars. Arrêtez de les taper, là. Vous braquez des banques alors que je suis en service? On n'a pas fait de banque. Vous avez pas fait de banque? T'as aucune preuve. Quoi, j'ai aucune preuve, Melo, t'as pas kidnappé un keuf, tu l'as pas ramené à la banque et t'as pas envoyé la position à Tariq, Melo? Hein? Melo, quoi? Hein, Melo? Melo, t'as fait ça? Si, c'est moi, mais si, j'ai braqué la banque. Qui tourne en côte 5 autour du quartier, il y a un 4-4 noir qui tourne en côte. Il y avait qui d'autre, Melo? Il y avait qui d'autre, dis-le nous. Mais il y avait des mecs de d'autres quartiers, je fais ça en pas. Qui est Melo? Qui est Melo? Je sais déjà, je te promets que je sais déjà, j'ai lu votre conversation, je sais très bien ce qu'il y avait dans votre conversation. Oh non, plus ça. Eh oui, bah oui. Ils ont dit oui. Les blazes en plein. Il est trop fort. Bah oui. Ils ont craché les blazes, ces petites salades. Melo, il y avait quoi, Tipex aussi? Melo, Tipex. Quoi? Ouais. Bah yo, c'est pas moi, je m'appelle Travis, je comprends pas. Travis. Ouais. Qui d'autre? Allez, il m'en manque un quatrième. Il m'en manque un quatrième là. C'est qui le quatrième? Justement, c'est vous qui allez me le dire. Ça commence par quelle lettre? Ça commence par quoi comme lettre? J'en sais rien, je vous ai dit que vous allez me le dire. Okomiko, les blagues, j'ai cité. Kishta? Allez, Melo Tipex, vous me les embarquez, on les ramène au PDP. Yo, j'ai rien fait! Ils ont rien fait, là. Allez. Non, les pète pas, ce soir, yo. Les autres vont regarder le mur. Vous pouvez les démonter s'ils tentent quoi que ce soit, vous leur tirez dessus. Avec votre taser. Dans la félone. Félone. La félone. Les deux. Allez dans la félone. Ah yo, Tariq, il m'a dit hein. Il t'a dit quoi, Tariq? Il m'a dit hein. Il t'a dit quoi? Il m'a dit, la spéciale, je la connais, c'est bon. Quel spécial? Et alors? Hey yo, ça tourne vite dans la rue. Et alors? Je vais déposer à l'hôpital. Tu vas faire quoi? Dans un piteux état. Tu vas porter plainte? Eh non, je suis pas comme ça, moi. Bon travail, bien. Comment ça, bon travail, bien joué à tous. Vous libérez les autres et vous pouvez repartir en patrouille. Merci les collègues. Ça a été fait, commandant. Super, c'est très bien. Vous êtes des bons policiers. Du coup, on a qui dans la voiture là?
Yo, y'a personne. Eh, merci. Tipex et Mélo. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Mélo? Bois rien. Triste. Non. Yo, c'est une gamine. Yo, on va vraiment vers la spéciale là. Ah bon, bah, je sais pas. Du coup, on va se faire ta aussi. Yo, commandant. S'il vous plaît. Quoi? Les cellules, c'est derrière, yo. Non, non, mais les mecs comme toi, je les connais. Si jamais tu portes pas plainte, c'est que t'es pas une balance. Et si t'es pas une balance, ouais. On va, je vais devoir passer à la, aux choses sérieuses. T'es pas une balance, Tipex? Un vrai Renoir ne poucave pas. Voilà. T'es un vrai Renoir, toi? Un Will. Un Will? Un Will. Bah vas-y, dis le N-word, t'as le droit alors. Mais c'est pas un glitch, yo. Yo, y'a un autre connard qui m'avait dit pareil que toi. Ah ouais? Ouais, la même phrase. Merde. J'étais pas sûr de si je te l'avais dit ou si j'avais pensé. Enfin, s'il te l'avait dit ou s'il l'avait pensé, juste. Bref. Il t'a dit quoi, Tariq? Yo, il m'a dit, cet enfoiré, il m'a mis au bord. Et il m'a niqué, il m'a jeté d'en haut. Du coup, j'ai déposé à l'hôpital, yo, il dort à l'hôpital là, yo. Tu sais qu'il a eu, il a eu beaucoup de chance, le véhicule, il a pas explosé. J'espère que vous aurez pareil. Comment ça, le véhicule aurait, il a pas explosé? Le véhicule n'a pas explosé, genre, c'est facile à comprendre. Oui, quand, dans la voiture. Il est, quand il est droit là, enfin. Yo, la capitaine, ça vous fait. Je la voiture. Non, non, on patrouille là. Yo, on patrouille pas, on est à l'arrêt. Mélo, remonte. Oui. Allez, Mélo, Mélo et Tipex, là, monte dans la voiture, s'il vous plaît. Yo, j'ai pas envie. Je ferai ça. Yo, capitaine. Mon capitaine, vous nous laissez avec monter lui dans non, cette il... putain enfin, de bagnole. Oh. À l'arrière, Mélo. Oui. T'as quel âge, Mélo? Bah, 21 ans. C'est une menteuse, c'est une menteuse. Va derrière, Tipex. Yo, s'il te plaît. Va derrière, Tipex. Oui. Okay. Monsieur, j'ai le vertige, regardez, s'il vous plaît. Je vais prendre une paire de menottes qui va être accrochée entre vous deux. Et la troisième paire de menottes, je l'accroche au siège. Yo, ça fait beaucoup, hein. Ouais. Ah. Non, s'il te plaît, yo, s'il te plaît. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ah, ah. Yo, capitaine. On s'est fait braquer par trois individus. Allô, maman. Ils sont partis ou vous les avez encore? Qui? Ils sont au forum drive chasse là. Ok, okay. Oui. Lâchez pas, lâchez pas. Vous avez maman, peut-être de la chance là, y'a des collègues qui sont en train de se faire braquer, attendez. Ils passent directement chez Berlin. Ah, ok, je te donne un truc. Quoi? Non, c'est faux. Action la case. Dis-moi quelque chose vite avant que je vais me débarrasser de vous. Non, s'il te plaît, yo, s'il te plaît. Je vais envie de vous. Là, j'ai envie de me débarrasser de vous là, les gars. Ok. Hey. Cette semaine va être mouvementée. Ah bon? C'est tout ce que je te dirai, je peux pas dire plus. Non, ça mène à rien, ça mène à rien. Si je te dis que ça mène à rien. Non, ça mène à rien. Mouvementer, ça veut dire quoi? Vous allez faire des soirées, vous allez danser? Non, non, yo, ça va bouger. Ça va bouger, c'est-à-dire bouger. Hey yo, ce qui s'est passé ce soir, ça va être tous les soirs pour tout le monde. C'est quoi, des braquages de banque? Non, pas forcément, yo. Kidnapping, des trucs comme ça, il faudra faire attention. Oui. Faudra faire attention et il faudra qu'il... Je crois que vous avez pas bien compris dans quelle position. Non, yo, je peux pas dire plus, yo. Oui, maman. Oui, maman. Vous allez vous faire braquer cette semaine. Par qui? Yo, par tout le monde. Est-ce qu'on les laisserait pas? Qui vous envoie? Qui vous envoie? Qui vous envoie pour nous braquer? C'est impossible. Impossible. Donne-nous une piste, donne-moi une piste. Yo, impossible. Regarde, je vais cocher l'accéléré, je vais cocher une piste vite. Et voilà, et voilà, et voilà. Non, comment non? Oh putain, et voilà. Elle a pété, je l'ai dit, elle a pété. Je l'avais dit, faut pas qu'elle pète. Je vais gris. Eh merde, oh, putain. J'ai plus de carrière, oh putain. Un blanc gris comme ça, une espèce de. Fait trois fois avec trois berettes. Hein. Il était parti direction une camp. Ah ben voilà, montez, montez, montez. Montez. Ah oui, on a besoin de vous, ouais. Montez vite, montez. Oui, 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 pardon. Oh putain. Il s'est passé quoi? Pas vrai. Ah bah, il... mon hôpital, il est à gauche là. Non, 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 non. C'est un kidnapping, madame, levez les mains. Ah oui. Ah bah ouais. Merci, pas par là. Bonsoir, capitaine. Bonsoir. C'est un mec de Compton. Non, c'est pas capitaine. Oui, oui. Attention. Ils ont fait un accident, ils ont sauté, c'est con. Ah, d'accord. Tu voulais faire le truc du parachute, sauf que bah, c'est pas ouvert, quoi. Putain, ouais, ouais, ouais. Là, ils ont sauté, c'est la merde. Là, faut vous occuper très vite d'eux. Très vite, très vite, très vite, très vite. C'est qui? Je l'avais dit, il y a une chance sur deux que ça explose, capitaine. Hein. Je vous l'avais dit en plus. Hein. Oh, c'est pas vrai. Oh, Sainte-Marie-Pierre. Vous l'avez toujours? Il est 5.
prends la rescue. SUV quoi, pardon, répétez. Des outils pour désincarcération, véhicule incendié, s'il te plaît. Prépare-moi des tuiles grasses, perfusion d'antibiotiques. Tu aurais braqué à visage découvert et il est... Vous êtes avec moi? Ça va aller? Oh, la voiture. Ah ben voilà. Je l'avais dit, il y a une chance sur deux que ça pèse, je l'avais dit. Mélo? Oh non, c'est Mélo. Mais non, là c'est mes feux, enfin, vous avez compris. Ah. Putain, trop drôle. Elle arrive. Je suis au droit. Et je peux respirer. Ça va aller, Mélo? Oh, ma carrière. J'ai réussi de les bring, mais ouais, c'est parce pas. Que c'est dingue, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait sauté du parking juste avant, et je sans regarde déconner. Et je vois une voiture mais sauter, genre. Sans deck. C'est dingue, hein. C'est dingue, elle la coïncidence. Pourquoi c'est qui, ce vous savez, c'est comment, c'est Sam? Oui, oui, c'est moi. En fait, on a, en ce moment, les gens sont fous. Marshmello. Ouais. Oh, c'est plus Mélo, c'est Marshmello. On attend. Bah, allez, on au bar. PH et jeune. Restez dans la police aussi. Oh là là. Okay. Oh non. J'ai absolument rien sur moi, ma pauvre. Je vais. Je vais l'envoyer ça à The Masterclass. Ça va aller, Mélo. Oh, ma pauvre. Pourquoi les menottés? Non, c'est pas tous les jours, je crois. Pourquoi non, les menottes, les menottes là. Je vais la démenotter, laisse-moi. Hop, c'est bon. C'est dingue. C'est quoi ça? Tiens, je me demande comment elle a fait pour. Il y a quelqu'un d'autre dans la je voiture. Je pense qu'elle était, oui, il y a quelqu'un d'autre en otage dans la voiture. Elle était prise en otage en fait par l'individu là. Ah, ah oui, oui, il est bien brûlé. Mais voilà, bah là tu flexes, t'as réalisé ton rêve. Mais c'est mon appel. Tout le monde a géré par les appels à de sortie et vous appelez les collègues si plus de deux personnes dans le véhicule. Mais pourquoi vous étiez tous les deux sur la banquette arrière? Déjà. Pour rien. Du coup, okay. Vous prenez en charge. Okay. Ils ont fait une chute, donc possible traumatisme et surtout incendie quoi. Recule la voiture. Attention. Immolation. Oh pardon. Il veut avec toi, je vais avec toi. Désolé. Mon neveu. C'est ton neveu? Oui. Merde. Ça va aller. Tu peux me préparer une. Moi je pense que ça doit être une nouvelle drogue, je pense. Hein. Ouais. Une nouvelle drogue qui conduit une voiture tout seul. Ça a l'air complètement zinzin. Ah ouais, ça a l'air complètement zinzin. Ça a l'air complètement fou. Hein. Ah, c'est le nouveau kiff des jeunes, ouais. C'est ça? Se mettre sur une banquette arrière et. Ah ouais, mais on va mettre la déroute dessus, ne inquiétez pas, Sam. Bah, heureusement, je me sens plus en sécurité avec vous sur le coup. Ouais, oui, heureusement. Ne vous inquiétez pas, on vous protège. Heureusement que vous êtes là. Ouais. Mais là, je me sens bien protégé. Oui, 69. Bon, ah bah c'est tiens, c'est bizarre, il était menotté lui aussi. Ok, on vous laisse gérer madame. Oui, pas de soucis, oui. Bon courage. Faire foutre. Foire une merde. Ah c'est encore, c'est sûr il devait être sous ballon ou un truc comme ça mon capitaine. Ah ouais. Qui c'est qui a essayé de vous prendre en otage? Travis Blake, ok. Ok, eh ben mandat d'arrêt sur lui, tout le tralala quoi. Vous êtes pas... Là, vous êtes depuis en poursuite? Eh ben, mandat d'arrêt, Most Wanted, voilà, ça lui apprendra. 71, capitaine. Commandant, je peux vous dire quelque chose? Bien sûr. Vous savez que... Vous savez, ce métier, ça fait longtemps que je le fais, quoi. Oui. En une soirée, Quoi? Bah, ça va chambouler, quoi. Ah ouais? Ouais. Je vous ai dit, je suis un petit peu à l'ancienne. C'est vrai que mes méthodes, elles peuvent être choquantes, mais On sait pas, ils vont se venger? Ouais, c'est possible. C'est possible. Mais au moins, maintenant, on sait que... Il y aura d'autres kidnappings sur policiers. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est bien. Ah, mon petit cœur. Du coup, y a plus aucun agent à kidnapper là, on est bon. Bon, t'as vu le prochain champion de Valorant, c'est où? Do? Attends. Du coup, de 26 à 100 tourlal, y a Huntley Noir. Le prochain champion de Viadou. Ah, ça passe. On a fait des contrôles. Oui, ben oui, je sais. Allô. Ça fuit. Iskat, on avait également Huntley Noir qui tournait autour du quartier pendant la descente. Soir. Dis-moi, 71. Il est aussi présent pendant le braquage de banque. Sendez du véhicule, s'il vous plaît.
Ah ouais, ouais, je te donne un le mur. Ouais. Tu vérifies la plaque, capitaine? Bien sûr. Le 4x4 qui était... Là. Super. Là, allez, bonne soirée, monsieur. Ok, bah alors, du coup, c'était Duchesne qui était intéressé. C'est bon? Ouais, c'est bon. J'ai pas eu le temps de vérifier. Ok. Ouais, bonne soirée, monsieur. On va tout montrer direct. Une bonne soirée. Les, tu vois, les mecs comme ça, franchement, oui, il est venu direct carte d'identité, permis de conduire, carte grise. Ah, il savait quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok, bon, ça va alors. J'ai même pas eu le temps d'ouvrir le menu. Incroyable. T'as vu, là, tu vois ça là. Là, je sors ma M4. Tu vois. Ok. Non, c'est une école, quoi. Ah ben. Allô? L'école? Ouais, je t'entends, ouais, dis-moi. Connard, va. Ah, allô, monsieur, oui, il va bien, j'ai une nouvelle. Il est quoi? Ah, ok, on arrive. On arrive où? Ok, on arrive. Au poste, un conflit entre des agents. Ça vous a pas manqué, ça, hein? Parfait. Je vais... Toi, capitaine, je sais que tu dois être trop gentil et tu dois essayer de trouver le meilleur parti pour chacun. Milieu. Ouais, non, non. Bah justement, c'est bien que vous soyez là. Après, ça tout dépend de la dinguerie qui a été faite. Capitaine, quoi. Attention, faut pas que vous deveniez comme moi. Ah non, non, jamais de la vie. Ok, on est d'accord. Ah non, non. C'est comme je disais tout à l'heure, hein. Je ferme les yeux, sûr. Hein. On va régler ça vite. Mais oui, Ads, en vrai, il y a moyen que j'y aille. Mais il y a moyen que j'y aille pas aussi, en vrai. Ils sont où? Venez, par ici. Désolé, c'est pas super informatif comme info. C'est vrai que mon info, elle pue un peu des pieds, mais... Alors, je vous explique, capitaine, c'est pas entre les deux agents, c'est que l'agent en tenue bleue, du coup, 66 est témoin. 66 Non, 76. Ok. 76. 76 est une agente féminine, du coup, commandant. Convoquez-la, moi, s'il vous plaît. Elle est pas présente. Elle a posé des jours de congé pour la 66 personnelle. Rose. C'est Rose Garcia. Ah, okay. Non, mais c'est mort, les gars. Il y a aucun agent qui va s'appeler 66, hein. Vous avez même pas commandant Gus, c'est 66. Bah. Il y en a eu depuis le temps, commandant. Hein, soyons, ouais. Bah, c'est fini. Je veux plus jamais voir ça. Ok. Okay. Par contre, c'est éclairé, c'est éclairé, on est d'accord, là. Les lumières, pardon. Si, ça va. Si, si. Ok, d'accord, bon. Moi, soit. Qui m'explose les yeux, carrément. Ah ouais? Parlez plus fort, 75. Là, ils sont carrément en train de m'exploser les yeux, moi, perso. Ok. Bon, dites-nous, du coup. Bah, du coup, comme j'expliquais à 37, hein, je souhaite poser ma démission. Parce que, voilà, en gros, il y a des agents qui me parlent mal depuis mon arrivée. Bah, je dis rien, j'ai fait quelques remontées, mais du coup, voilà, c'est un peu compliqué. À base de ça a insulté ma maman, plusieurs fois. Hier 28 qui me... Non, je crois que tu liques pas. Même celui encore d'après, c'est déjà 28 pro. Hier, donc 28, c'est pas lui qui a insulté ma mère, celui qui m'a insulté ma mère, je me rappelle plus du mal. Ouais, peut-être je le lique. Mais ouais, voilà. Puis après, on a 28 hier qui me permet de faire une remontée me disant comme quoi j'ai pas à dire ce qu'il doit faire et qu'il a plus d'expérience que moi. Ensuite, il me traite de foyau. Okay. Voilà, non, ça va. Okay. Donc je préfère juste poser ma démission et ne pas faire. Non. C'est avec qui vous avez des problèmes? C'est qui? C'est lui? Non, 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 négatif. Ah non, non, lui, c'est négatif, c'est 76. Lui, c'est votre ami, lui. En gros, moi, je suis vraiment l'agent le plus sympa du poste. Hein. Ouais. Oui, vraiment. Mais en gros, pour vous expliquer un appelez peu, le, appelez gros, le, hier, appelez il y avait... Je suis pas sûr qu'il soit là. 37 à 28, venez bureau, capitaine, s'il vous plaît. Braqué, du coup, vaisseau moderne, braqué. Pour la faire courte, en gros, hier... Comment on arrive à 900 mètres? Vous faites braqué? En gros, 05, on est à 600 mètres aussi. Le véhicule, s'il vous plaît, le véhicule. On part sur un D56 STX occupé 4 fois, noir. Scott, donnez-moi des 10-20 s'il vous plaît en même temps. Los Santos Custom pour l'instant. Désolé. Désolé. Il est Arcadus actuellement, il va direction à Saint-Hôpital. Désolé au petit bonhomme qui venait vider son cœur. Ce sera pas pour maintenant. Tango 05, on est derrière vous. Deux unités, c'est bon ou on racole aussi? C'est bon, on sera assez là. Scat.
C'est un bon, il s'est arrêté là, l'autre, là derrière. Hein. Ça va vite, hein. Coup de 25 commandants, on a du mal à le suivre, il va très vite. Hein. Ok, moi je suis seul, je vais avoir du mal à faire les calls, donc s'il vous plaît, suivez sur le GPS. Vous me voyez sur le GPS, on est d'accord, hein. Tu veux prendre des points HP? 10-5, vous me voyez pas? Non, je vois pas. Oh putain. Si, vous me voyez? Je passe devant le Bénise, là. Je vois pas la Felon sur le GPS, commandant. Ok, bah que quelqu'un fasse des calls, s'il vous plaît, je suis tout seul et vraiment, j'arrive pas, moi. Ah, vous êtes pas derrière moi, y'a personne derrière moi là, non? Non, il va vous faire un petit call, on va essayer de vous rattraper. Je suis direction aéroport là. Ok, nazi. Aéroport, on a tourné à gauche là sur le petit stade. Ils se retournent, ils veulent me braquer. Allez, je prends. Ils font demi-tour. Nouveau 91, on arrive. Direction aéroport. Aéroport. Allez, passe-moi devant nos backup, hein. Aïe. Je me fais braquer. Ah non, c'est. C'est bon, tout va bien, je me fais braquer. Super. On est avec vous. On a raccourci les commandants, on est avec vous. Tu l'as coupé combien de fois? 4 fois. T'as payé auquel agent, s'il vous plaît? Ouais, mais ça nous a braqué. Ah, ils ont essayé de me braquer moi aussi là, hein. 2 fois. Capté. On est juste derrière vous, la Felon. 27 ou 18, et il y a actuellement 2 unités en plus du commandant, lâchez les autres. Véhicule, vraiment, si vous tenez, vous sentez que vous tenez pas le véhicule, lâchez. Il y a une highway de déployer, c'est une Buffalo SX, ça roule. Hein. S'il y en a un qui est un très bon pilote, au pire, prenez le lead et moi je mets en anticipation vu que vous me voyez pas sur le GPS. Je suis derrière vous, commandant, si vous voulez. Tu conduis bien, toi? Ouais, il conduit. Oui, commandant. Allez, fonce. 26, je veux que tu sois dessus également et le commandant sera du coup en anticipation avec nous. 26. Ok, bah, je vais essayer. Adam 93, on est juste derrière lui, du coup tu veux prendre le lead 71? Regardez-le pour le moment, le temps que je retrouve le distance. 4. SUV, vous pouvez lâcher. C'est moi le SUV, Captain. Ah ok, autant pour moi. Bah, passez au poste, récupérez une Polchar. Polchar autorisé. C'est capté. Voilà. 71, 19 PDP, on va prendre une Polchar. Ok, commandant, vous passez en anticipation? Ouais, pour l'instant je suis en deuxième, mais dès que je vois qu'il y a un moment où je peux anticiper, je me mettrai. Faites comme si j'étais pas là en gros. Ok, nickel. Pour l'instant je reste en deuxième. Ok. Monsieur 71 revient, la Polchar devant, vous lâchez, d'accord? 10-4. Ça marche, 10-4. Magnifique. Ensemble on ira loin. Du coup pour le véhicule en lead, je vais faire comme en habitude, je vais mettre du pressing côté gauche pour l'empêcher de tourner, donc c'est lui qui va commettre les erreurs. J'aimerais bien l'avoir lui. Du coup de Tango 71. Petite arrestation, des petites armes, là j'ai pas attrapé d'armes en vrai ce soir. Bon, en vrai j'ai pas de tryhard pour avoir des armes. Prenez-le, continuez. Faites-nous des calls s'il vous plaît. Je reprends le lead du temps que je reprenne la vitesse, ok? Vas-y, t'inquiète. Quartier Vagos. Quand tu peux me doubler, tu me doubles. On monte direction Maze Bank Arena. Vas-y. J'ai même pas custom à Felon. Vas-y, passe. On part direction groupe. Vas-y, c'est bon. Allez, arrêtez-vous, petit coquin. J'ai l'impression que la Felon elle va plus vite que leur Buffalo au keuf là. Genre là, j'ai levé le pied là. On passe en Bénis.
roulette direction le 56. T'as pas tardé à avoir plus beaucoup d'essence, donc 71, faut que tu viennes. Hein. Il est derrière, allez. Je passe le chantier Alta Street. Je vais tout droit direction Uber Eats. On va tourner à droite, Ammunition. Non, tu sais pas, je suis à votre droite. C'est vrai que je suis tout seul dans la voiture, ouais. C'est vrai. C'est fou qu'ils aient développé ça, GTA, quand même. Annonce-moi quand tu le prends. Je suis pas encore derrière toi, là. Tiens, 10-20. On est dans la Mesa, là, quartier Savage. Mais je pense, moi, la Félon, elle va plus vite. On remonte vers la Hi-Patrol. Elle accélère plus, je crois qu'elle accélère plus. Mais la voiture de police, elle va plus vite et elle est plus maniable. Parce que la Félon, qu'est-ce que c'est lourd, frérot. On va leur faire vite, hein, je manque d'essence, les mecs. Hein. On est derrière toi, en fait. C'est qui manque d'essence? C'est la voiture lead 10-4. Ouais, 10-4. Ok, si jamais je suis derrière. En vrai, tu veux aller mettre de l'essence, là, vite fait. Vas-y, fonce. On passe devant le PDP. Il a 10-50. Ok, non, c'est bon. Attention, il y a un fatbase qui vient de se faire voler, ce sera peut-être un pour un point. Vas-y, continue l'école. Parking rouge. Parking rouge, on continue toujours tout droit. Direction Burger Shot. Il a tapé. Faites une backup si vous pouvez. Non. Doucement, les mains en l'air. Tu mets tes mains en l'air. Mets tes putains de mains en l'air. J'en ai abattu une, hein. Pas geste brut. Oh là là. Il commence à remonter vers ton collègue, là. Ok, ils sont tous neutralisés. 10-5, un seul. Ouais, un seul, okay. elle a couru dans le PDP. Ok. Ok, parfait, mettez-vous tous contre le mur. Appelez un AMS si vous voulez, là, ici. Pas sensé, je m'occupe de faire un 10-38. Quelqu'un passera du AMS pour les prévenir, je leur fais la backup. Oh, pardon. Pardon. Aïe. Désolé. S'il vous plaît, les agents, je mettais sur place. Pas besoin de sécurité et on les menace. Allez, speedy, AMS. Ah, bah j'allais le Allez, faites tes premiers soins. Je m'en occupe. Ok, attends, on va les mettre ça. Tu fais la backup. Ouais. Je pense bien aussi, c'est quoi ça là? Ok. Ok, restez pas tout seul autour. Hein. Vous me recevez? Très mec, là on est des cibles. Le capitaine, ça a essayé de nous chasser hein, pendant la course. Je sais. Écoute, mais ça centrale, mon unité, tu peux rester avec ton bouton. Ah non, là, cousin, on tire. C'est capté, mais avant. Ah là frère, mais franchement aucune culpabilité. Autant des fois je suis en mode putain, peut-être j'aurais pas dû tirer. Hein. Ah là cousin, je vais mettre les menaces. Faites un V de protection, ok. Au revoir madame. Enfin au revoir, pas en mode ban, mais t'as compris. Je vais récupérer votre couteau. 37, j'ai besoin de toi ici. Commandant, est-ce que vous avez un sabot avec vous ou pas? Oui, j'ai un sabot. J'ai visé la STX. J'en ai. Ok, nickel. J'ai des taquages, bodoké. Madame 93, on reste en électronique pour toi. La carte grise, elle est à vous. En fait, j'ai pas de taser de toute façon, en tous les cas. J'ai pas de taser et en vrai, c'est un choix. J'aime bien, pas avoir de taser. Comme ça, au moins, les gens ils vont savoir, frérot. Soulax, il a pas de taser. Soulax, si jamais il tire dessus. BAM! Tu dors à l'hôpital, ciao! Allez, venez, monsieur Angry. Là-bas. On va monter dans la voiture là-bas. On a ce véhicule, ne vous inquiétez pas, il y a l'HP si. Vous avez dit que trop faible là. Vous venez de me dire que c'est. Tu m'étonnes, je vais mettre 6 balles. Ok, dans la. Comment ça s'appelle? La poche de soins, tu me récupères injection d'antibiotiques. Je vais vérifier la voiture ou pas? Je vais vérifier votre carrière. Je fais ça. Je m'en occupe. Je vais les médecins faire les premiers soins. Bien pris. Je vais vous rendre votre papier. Bah ouais, il est tout sous le siège. Okay. Regardez bien sous le siège. Une fois que t'as injecté, tu vas récupérer le masque. Putain! Tu vas le bomber l'oxygène. T'as vu que. Je vais prendre mes gants. Tu vois pourquoi je prends des pressions tout le temps, commandant? C'est capitaine. Capitaine. C'est vous le commandant? Oui, c'est moi le commandant. C'est moi le commandant suprême. Mais inquiétez pas, vous avez vu gérer là. Ah ouais, bah ouais. Je l'ai vu courir. Elle a essayé de rentrer là en plus, non? Oui, elle a essayé d'entrer dans le PDP. Oui. Okay. En vrai, je me demande si je vais pas sauver la vie quelque part. Allez, on a de voiture. Ah, bah, oui. Allez, là. Toujours. Allez, vous m'embarquez là, allez, go. Venez avec moi, monsieur. Nous, ma patrouille, moi. Vous avez bien fouillé la bagnole? Vous lui faites un test? Je vais la fouiller la bagnole, pardon. Ok.
Vous le faites un test de poids. Il nous faut une place dans une. On peut pas faire ça. J'ai. Taisez-vous s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Là, tous ceux qui étaient sur la Buffalo STX, les droits bien. Vous les ramenez, vous faites toute la procédure clean. Je veux pas de vis de procédure de trucs bizarres, s'il vous plaît. Je veux comprendre eux pourquoi ils ont fait ça et je veux qu'on leur mette le tarif, d'accord? Donc appliquez-vous, prenez votre temps, les droits, tout ce qu'il faut. Votre véhicule, vous voulez qu'on vous ramène, commandant? Non, ça va. Qu'est-ce qu'il y a dans la patrouille? Toi, t'es un gros suceur, toi. Pourquoi tu veux ramener mon véhicule? Non, je parlais pas de votre véhicule, je vous parlais de vous. Non, mais là, faut qu'on aille au poste, on a un individu surtout. Oui, allez, foncez au poste, foncez au poste, mon champion. Je parlais pas forcément de notre voiture. T'étais en quel véhicule, toi? C'est bon. Okay, affaire à casser, vas-y, monte. Ok, c'est bon, là, c'est un peu stable. Les deux, nickel, et 26, si vous bah, elle est stable, mais dans tous les cas, elle perd beaucoup de sang, donc dans tous les cas, elle va faire une chute, c'est sûr et certain. Tu peux la palper ou ça craint, là, en termes de santé? Non, santé, ça craint, là. Ok, parce que, elle, je veux bien savoir ce qu'elle avait sur elle pour fuir. Oui, mon capitaine, c'est leur dès que l'opération est terminée, je pourrais la palper, si vous voulez. On peut la stabiliser au moins le temps que... Avant de l'embarquer avec vous. Ils sont déjà trois dans leur véhicule. Si tu veux, mais il paraît énormément de poissons, donc faut faire... Ok, on commence à stabiliser, et après on juste on palpe avant de la mettre avec vous, pour la sécurité. Ok, vas-y. Pire, vous savez quoi, je vais monter avec vous. Ok. Hop, du coup on va la transférer sur le brancard directement. Ok, parfait. Non, tu t'en occupes. Tu peux rapprocher le bancard, s'il te plaît. Elle, priorité numéro 1. Ok, copie. Ça va s'en sortir? Vas-y, ça devrait aller. Bon, du coup, on va transférer sur le bancard. Tu mets deux connards, s'il te plaît. Ouais. Je prends les jambes. Comment ça s'appelle, vous? Ça la connaissez ou pas? 1, 2, 3. Non, vas-y, je me spoil pas. Je mets directement dans l'ambulance, s'il te plaît, Dan. J'allais me spoil, je me spoil pas. Je vais monter avec eux, vu qu'elle a pas été palpée. Ouais, ça marche. L'accident, il était incroyable, capitaine. C'est vrai? Ah ouais, il était magnifique, leur accident. T'as fait quoi? Ils ont tapé là, tout droit ici. En gros, je crois qu'il a perdu le contrôle, je sais pas trop ce qui s'est passé. Il a tapé de plein fouet dans le mur, BAU! Ah oui, d'accord. Bah, voyez, vous êtes pas fini tout. Lieutenant! Ouais, Cap. Commandant. Lieutenant, tu t'occupes d'elle, c'est ta responsabilité. Si elle s'enfuit, quelque chose, c'est toi qui es viré. Je la garde à l'œil. Et je sais que je te virerai pas parce que tu es incroyable comme policier. Merci, commandant. Allez, là, on y va. J'ai une place si jamais, hein. 23, tu pars avec 7-6 pour l'HP. On barre. 23, ouais. Parfait, mes lapinous. Au travail. Vous avez vérifié le coffre? Attends, juste. On est dans le commandant Carré. Dessous du véhicule aussi? Oui, j'ai tout. Merde. Super, j'ai fantastique. Tout, fantastique. J'ai toujours le dessous du véhicule. Hein. Ouais. Non, je suis pas finito, capitaine. Eh non. Je rappelle à Joe. Ça veut kidnapper les flics, hein. Donc faites attention, arme létale. Ouais, c'est l'information qu'on avait eu d'April, de toute façon. Ouais, mais pourquoi en fait? Je pense que quelqu'un a dû démissionner. 11, je vous attends dans le poste. Maintenant, la question c'est qui? Bah, les boucs qu'on a arrêtés, j'espère qu'ils vont nous le dire. Putain, si les collègues n'étaient pas arrivés, crois-moi que j'en aurais embarqué un ou deux pour leur poser des questions, mais bon. Non. Oui, non, après c'est trop, trois fois dans la même soirée, c'est trop. Ah là, on a moins de faire tomber la tête qui veut faire le réseau là. Désolé capitaine, je suis parti sans toi en balle mais... Non mais vous avez bien fait. De toute façon la personne qu'on devait convoquer il est pas là donc je m'occupe pas de moi. C'est quoi la route courte là pour les cellules? J'ai besoin d'un backup pour le 1038 s'il vous plaît. De quoi? La route la plus courte pour les cellules? Par ici. Ok, je te suis. Après, le mieux c'est de passer par derrière. Moi. Et c'est quoi 1038, capitaine? Parce que moi de mon temps c'était pas les mêmes noms de code. 1038, c'est contrôle routier ou alors on fait des barrages autour pour la zone. Ah oui. Ouais, nous à l'époque on appelait ça un 12-13. Un 12-13? Ouais, c'était comme ça qu'on appelait ça de mon temps. Ça a changé. Sinon, je connais les codes, hein, tu te doutes bien. Ah oui. Je suis le commandant. Vieille école. Oui. Regardez l'HP ou pas pour patrouiller? Bah aller aux frontières avec. Ok, eh ben on y va. Et l'HP c'est quoi? C'est vécu un petit peu plus rapide pour les grandes autoroutes. Ah oui, nous de notre temps on appelait ça la QS. Ah la QS? Ouais la QS. Ça veut dire quoi QS? Déjà, je me rappelle plus. Question speed. Ah oui c'est vrai oui. En gros t'allais trop vite, je pouvais pas poser de questions tu vois. C'est par là non? D'accord. Oui, à deux chemins ouais. Madame 73, on va se caler au poste frontière. Oui, je me demande qu'il y a du numéro 9.
La NQS. Venez. Je vais vous ramener à bord dans votre cellule. Vous avez bien eu les droits ? Oui, oui. Ah, fille, capitaine. Oui, capitaine. Ils avaient quoi ? Okay, Toby, un pistolet chacun ? Procédure, là. Alors, moi, pour le Toby, j'ai. Non ? C'est quel sinon ? Là, il y avait rien, là. Il avait rien, lui ? Il avait rien sur lui. Eh oui, on a retrouvé une arme. Il a quand même retenu délit de fuite et tentative de prise. Il avait rien parce qu'il a été fouillé. Je l'avais déjà. Ah, ok. Sur place. Ok, ok. On travaille sur quoi, du coup, lui ? Dans tous les cas, les 4 étaient armés, c'était signalé par 26. Et l'accident, l'accident il était impressionnant, les gars. Le pistolet et les balles, s'il te plaît. À partir du moment où vous avez eu les droits à la personne, vous vous occupez de A à Z, hein, vraiment. Ah, si. Vous appelez le juge aussi, comme ça vous êtes tranquille. Vraiment, hé, ils étaient là, ils étaient sur la route. Ouais. Il s'est passé un truc, bam, dans le mur, à 190 000 km/h. Peut-être la première. J'étais choqué carrément, je me suis dit, ils sont morts. Pourquoi tu viens de ça ? Hein ? Mais saisie. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me reposer ma carte police ? Oui. Et l'autre, la nana, hey, tu l'as vu la nana ? Elle a commencé à courir dans le PDP. Je pense que, ouais, comme je dis, je pense que vous voulez plus sauver la vie que partir hein. En cellule avec Spooky, la capitaine, elle par contre, vraiment. Elle voulait, vraiment, elle voulait se faire interner avec Spooky ? Enfin bref, c'était drôle. Merci, capitaine. Pas de problème. Non mais je crois que je vais rester quelques jours de plus, mon capitaine, je me régale trop là. Je sais pas, il y avait combien de balles sur lui là, le temps. Désolé, c'est Javier, mais là je t'avoue que quelques jours de souvenir, ça ferait du bien quand même. Hein. 21. Vous appelez le juge ? Je fais le rapport d'arrestation, capitaine. Je peux appeler le juge, si jamais. Appelez-le, ouais, parce que tant qu'il arrive, des fois il est dans le nord, le juge Miller. Juge Miller, du coup. Ouais, ou pas. Vas-y, en ce temps, je... Commandant pour lieutenant... Lieutenant Bandana. Bandeau. À l'œil. À fille. T'es à l'hôpital là ? Ma chief elle est en bloc opératoire, j'ai son sac avec ses affaires, je m'occuperai de la fouille une fois qu'elle sera assez grande en sécurité. Pardon. Vas-y, tu sais quoi, j'arrive parce que je suis trop hype de savoir ce qu'il y avait. Honnêtement, qu'elle a paniqué, commandant. Ah ouais ? Spooky, c'est quand même connu quoi. Donne-lui Maïssa. Porte. Faites quoi devant le PDP là ? Merci Shepard. On s'en va. Madame 05, on se rend à la frontière. Ah oui mince. Ah oui pardon. Ça marche. J'ai dit merci mon frère in-game. Au revoir. Deux unités Marshall et nous-mêmes à la frontière. J'ai dit merci mon frère in-game Shepard, putain ! Bah si on le sait, c'est décroché, j'ai besoin de vous en tant que crime à l'hôpital. Il y a un préchage. Mais merci mon frère. C'est avec qui en patrouille 116 ? Oh waouh ! Avec qui êtes-vous en Adam ? Oui, 25. Avec 23, pardon, 23. Copie. Arrive. À partir de Vassab Gif, tu dois le dire in-game à chaque fois. Tu viens voir l'orette après, Ad ? Parce que bon, toi, tu sais faire que ça ? À moins que monsieur ne puisse pas, étant donné qu'il a 30 ans et qu'il doit chuchoter le soir. Peut-être que t'as pas le droit, Ads. Non mais dis-moi. Peut-être que, voilà. Peut-être t'as pas le droit de parler fort à cette heure-ci, hein. Je peux ce soir. Let's go! Wouhou! T'entends toujours Daronet. Non, madame. Bonsoir, vous allez bien? Sympa les crocs. Pas mal les crocs. Pas mal, oui. Effectivement, je suis bien confort. Par contre, faut pas sentir mes pieds après le service. Oui, dites-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Il y a une suspecte là qui est en bloc opératoire, je crois. C'est-à-dire qui ? Je sais pas. Bah du coup c'est cool, ça m'aide beaucoup. Ouais, elle avait un t-shirt kaki avec des espèces de comme des bretelles noires, comme un crop top par-dessus le t-shirt kaki noir avec un pantalon kaki aussi. Ok, alors attendez deux petits. Sam a 7. Cheveux noirs, plutôt courts. Est-ce que tu es en bloc opératoire actuellement avec une madame brune, cheveux courts ?
Ok, au niveau du statut, elle est comment là? Normalement, il y a un lieutenant qui est avec elle. Un lieutenant. Ok, blessure par balle. Ok, bien pris, merci. Bah venez, suivez-moi. Elle va bientôt sortir du bloc, elle sera dans la salle de réveil. C'est vous la chef de l'hôpital ici? Oui, oui, c'est moi. Vous êtes la chef des EMS? Bah de... non, pas des EMS, mais du LSMD, oui. La chef du LSMD? Oui, de l'hôpital du Sud, oui. Los Santos Medical Department. C'est ça. Ferait pas ça marrant que tous les anagrammes ils soient en anglais alors que nous on a plutôt tendance à parler en français? Je vois pas de quoi vous parlez. Oui, je trouve ça juste bizarre. Ah mais y'a Connor, coucou. Hey, coucou Sam. Ça va? Ah et toi? Ouais, impeccable, c'est quoi dans ton sac hein, d'un kirigouté? Bah c'est tous les effets personnels de la dame, une fois qu'elle sera en, sur un lion on pourra tout fouiller. Ok, impeccable. Bah apparemment il a dit que ça allait bientôt finir, il allait l'amener en salle de réveil. Ok, ça marche. Ça, vous savez. Bah impeccable, si on n'a pas besoin de moi, je file. Des bisous, bon courage. Au revoir, merci, bon courage, merci madame. Je vous en prie. Elle est gentille celle-là. Je pense que c'est la meilleure directrice qu'on aurait pu avoir à l'hôpital. Ah ouais? Bah pour le coup, oui. Plus forte que l'autre là, comment ça s'appelait, Charlie? Charlie? T'es lieutenant, t'étais pas directrice? Ah non, c'était pas Charlie, c'est un autre perso. Attends. C'est qui déjà? Rachel. Rachel! Rachel Lewis. Rachel Lewis, ouais, peut-être Rachel, peut-être Rachel. Non mais Rachel, elle était détestable parce qu'elle se mettait les bras croisés devant Pillbox. Ouais, fouf, t'es la haine Rachel, je m'en rappelle. Merci commandant, je peux vous demander une faveur, s'il vous plaît. Pour lui envoyer et pour lui foutre le seum. À qui? Il y a personne qui est. Rachel. Qui s'est fait prendre quoi? Parce qu'elle était vraiment arrêtée en plein milieu de la route. Faites la même pose que moi, commandant. D'accord. Vraiment, elle aime pas du tout. Oh, okay. T'es un. Ok, celle-ci, c'est prendre en photo. Pitié, prendre en photo, celle-ci. Oh, t'es un. Pourquoi elle aime pas cette pose? Oh, j'ose même pas parler. Kiff, on a entendu. Promo que ça va être répété, dit amplifié. Bah, je promo que je vais lui envoyer. C'est qui aime pas? C'est Rachel ou c'est l'autre? Bah, c'est. Toutes. C'est pourquoi la Rachel. Pourquoi elle aime pas? Parce qu'en gros, c'est... elle a été posée les bras croisés devant Pillbox, bon, mais c'est version caricaturée tout ça. Ah oui, non, ok. Non, Mia, conseille. Mia, conseille, non. Dis-toi que j'ai même eu le lieutenant Cortez qui l'a fait, mais j'ai quand même pris tarif. Il est arrivé quoi, ton œil? Explosion de C4, tu as un morceau de shrapnel dans l'œil. Waouh. Ah oui. Oui. Un conseil, monsieur. Allez. Force à vous. Bah, c'est les effets de la dame, hein. Pourquoi, Moi, j'ai pris une balle de barrette Colt 50, mais bon, c'est pas une compétition, hein. Oui bah... Ah ouais putain. C'est l'effet de quoi? C'est les effets personnels de la dame. On va s'occuper de fouiller du coup tous ces effets personnels. Hop, okay. Du coup on va la transférer sur le lit. Directement en salle de réveil. Je récupère ton caton brancard. Du coup elle devrait se réveiller d'ici 5 minutes dans tous les cas Connor si tu vois. Je vais m'ajouter pour être prêt à côté. Bah je vous mets le sac à côté du lit commandant si vous voulez fouiller. Voilà, voilà pour toi. Toi ton brancard, coucou Jérémia. Ah, je vais la regarder comme ça en attendant qu'elle se réveille. Faites peur monsieur quand même. Ouais. Ça va être une pression mentale. Mon lieutenant? Oui, dis-moi. Est-ce que vous auriez un truc à boire, s'il vous plaît? Tiens. Hey, madame. Monsieur, faudrait peut-être descendre du lit. Hey, madame. Monsieur, s'il vous plaît. Quoi? Une idée sur la frontière? Alors, déjà d'une, pour des raisons d'hygiène, on monte pas sur les lits. Allô? Merci beaucoup. Même... Oui. J'ai les petits zinzins là pour leur fugitif de début de soirée là, vous voulez leur rendre ou pas? Oui c'est bon, vous pouvez enlever le sabot, normalement il est devant la... La fugitive elle est garée dans le parking du PDP. Il y a un sabot dessus, vous pouvez leur enlever. Ok, nickel, je leur dis. Super. Merci. Je te laisse en charge s'il te plaît. Merci. Ah, je... Après moi je... ouais... Je peux l'avoir, j'ai joué. On y va. Déjà tu peux ranger ta létale dans l'hôpital. Oui, c'est ce que j'allais faire, pardon. C'est plus notre dos cette histoire. Ah, c'était pas du tout la tenue que j'avais décrit. Similaire quand même, non? J'avais dit un haut kaki avec le truc noir. J'ai confondu. Atom 0519, frontière. Du coup, venez jouer, il fait présenter au gâteau. Vous pouvez venir récupérer en 23 ou à l'hôpital, elle va venir avec vous. Non, mais elle veut aller. Madame! Oh! 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 Tu veux venir à la frontière? Madame! Se réveiller?
madame. Madame. Je suis où? À l'hôpital, à l'hôpital, bonjour, vous venez de vous réveiller madame. Putain. Ouais, je suis le commandant suprême de la SPG Medisoulax. Mal à la tête. Ouais, vous m'étonnez madame, vous avez pris quelques balles de M4 dans le corps. Est-ce que tu veux aller frontière? Ah. Adam 93, on sort sur les derniers 31 Del Piero. Je me rappelle plus. Vous vous rappelez plus? Je m'en bats, je sais plus trop ce qui s'est passé là. Ouais, c'est normal, vous êtes tout le choc madame. Je vais vous demander de reprendre vos esprits et une fois que c'est fait, je vais vous embarquer. Oui, pas de soucis. Pas de soucis. Ça va aller? Ouais, je pense que ça va aller, vous inquiétez pas. Vous avez besoin d'aide? Je vais essayer de me lever et puis je vais voir. Ah, allez-y. Ouf. Bien évidemment. Juste pour qu'il puisse. Genre qu'il puisse parler. Genre, on est ça va aller? On est déjà à Tekito. Quoi de capte le dernier titre en terme? Si les infos. Si les infos sont bonnes, oui. L'avocat arrive, d'accord, il arrive. Je vais vous demander de vous mettre contre le petit bureau, s'il vous plaît. Je vais enlever mon masque. Ouais. Je suis à la récupérer, t'inquiète. Merci. Alana? Oui. On sait qui Alana encore? Une mécano du Béniz. Je prendrai avec moi demain. Une mécano du Béniz. Aïe. Mais putain, elle a rien. Je vous avais dit, c'était la panique pour moi, commandant. Mais c'est invivable. Oui, Alana, Kyoki. Mais elle a rien. Mais lieutenant! Ah, moi je vous l'avais colle, hein. Pour moi c'était la panique. Hein. C'était dans un PDP, c'est vraiment la panique. Garde les couilles, non. Sérieux oui. Quoi vous voulez mettre quelque part les rapports d'arrestation? Madame, passez-moi vos gants s'il vous plaît. Oui, oui, mais vous voulez qu'on vous les mette. Je crois pas qu'il ait ouvert le feu. Ouais, mais je regarde un truc. Ok. Ouais, il est négatif. Parce qu'on a retrouvé un Beretta dans la voiture. Ok. S'il vous plaît. Je crois qu'il n'y a eu aucun coup de feu. Hein. Vous confirmez, commandant? Négative. Ouais, c'est juste vous qui avez neutralisé. Okay. Je vais vous porter, madame, d'accord? Merci. Là, je suis aigri, tu vois, là, je suis pas content. Ah, là, j'ai donné le mot d'ordre à la crime, commandant. Ils vont pas être très sympathiques en interrogatoire, je vous le dis. Ah, tu m'étonnes. Attends, mais pourquoi tu la connais, celle-là? Elle travaille au Béniz et c'était la personne avec qui je parlais quand le patron n'était pas là, pour tout ce qui est contrat. Et donc celle-là, elle essaie de kidnapper des agents de police. Bah celle-là cachait bien son jeu, effectivement. Je vais voir, excusez-moi, vous m'avez backup, si vous jetez un backup 1, si je peux avoir une lunette sur un titre en outil, s'il vous plaît. Copie, ouais. Sergent. Dame 93, on arrive, 26. Vous voulez venir avec moi pour l'interrogatoire, commandant? Franchement, je vous la laisse. Vous êtes dessus ou en dessous? Pardon, mon commandant. En dessous. Ne vous excusez pas, ne vous excusez pas, tout va bien, tout va bien. Je vous la mets dans la voiture, là. Adam 05, vous venez récupérer 23, s'il vous plaît. De toute façon... Oui, allez-y. De toute façon, il y avait... chaque personne avait un pistolet sur elle, là, qu'on a arrêté. Ouais. Il y avait un pistolet dans la boîte à gants, donc... je pense que je vais pas trop vite en besogne, si je suppose que c'est le tien. Oui. On est là. Pardon, j'avais pas d'armes, moi. Ouais, mais il y avait une arme dans le pantalon, du coup je vais te mais oui, ça avait pas d'arme. Faites attention à vous. Mais bien sûr, Alana, tu avais pas d'arme. Bah, j'étais derrière. Mais oui, Alana. Ah, mon petit cœur, t'avais pas d'arme. Non, j'avais pas d'arme. Alana, elle est gentille, les collègues. Alana, elle est dans cette voiture, mais elle a rien à voir. Non, j'aime que les couteaux, moi. Oui, que les couteaux, pas les armes. Oui, ils étaient 4 dans la voiture, ils avaient 3 pistolets, et c'était un 4ème au cas où. Dans la boîte à gants. Je crois qu'il y en avait un qui était en akimbo. Tout ça, c'est un quiproquo. Alana, elle travaille au Béniz, elle, c'est pas une méchante. Mince alors. Putain, on est tombé sur la mauvaise pioche. Oui, putain. Je suis pas méchante, moi je suis toute gentille. Alana, elle est partie en courant parce qu'elle avait rien à se reprocher. Non, elle est partie peur. En courant dans un PDP quoi. Dans un PDP parce qu'elle avait rien à se reprocher, Alana. Elle allait se réfugier, PDP. Commandant, au final. Bah oui, elle voulait se réfugier parce qu'elle était prise en otage par les ravisseurs. Exact. Ou elle avait peur de vous. Ou elle avait peur. Ouais, j'ai eu peur. Oui, je serais pensé que j'étais un balas. Vous faites peur. Ah oui, en fait. Bah oui. Vraiment, le. Ouais, il y a du pour la allez, cheveux, c'est... ramenez-la au PDP. C'est ça. Est-ce qu'on a réussi oui, à peut-être, je pense que c'est ça. De la Buffalo STX qui a tenté de faire l'APO sur les agents.
À un moment, commandant, c'est ton jamais. Ah ouais? Mais là, ça va taper tous les flics. Hein. Oh, putain, il dire que j'allais partir jouer à Valorette? Bah, vas-y, fais baiser. 10-5, je crois pas du coup. Ah non, je vais rester un peu. Il y a toujours un sabot dessus, elle est toujours à l'emplacement où on a neutralisé l'individu. Je vais prendre en photo la plaque. Photo preuve, s'il te plaît. Moi, je connaissais le MPO, au moins. Un bon petit swag bien winner RP, là, ça c'est. C'est ça qu'on veut, frère. France 16. Récupérez un kit, vous faites les réparations rapidement sur place et vous la ramenez au poste, la voiture. C'est que ça passe vite, par contre, c'est une dinguerie, hein. C'est que ça passe vite avec Soulax, hein. 7-10-21. Bon, au moins... J'ai joué Soulax, j'ai fait mes petites spéciales, un petit meurtre. C'est une soirée, voilà, c'est une soirée bien. Une soirée de Soulax, franchement, on a rempli tous les quotas. Il y a tout ce qu'il faut. Putain, mais ça bombarde la félone, hein. Radio, c'est quoi le motif du 1056 proche parking rouge? J'avais pas les souvenirs que ça allait aussi vite la félone, moi. Aïe. 19 radio. Il y a une course poursuite en place entre. Est-ce qu'il a assez tard pour que les stalkers ne soient pas là? Si tu veux parler du véhicule HP, on est juste en retour PDP. Aïe aïe aïe. Avec 10-4. Et justement, on le voit pas sur le. Ok. Bah, personnellement, oui, moi j'aime bien les interrogatoires. Hier, j'ai fait toute la journée, donc oui, perso, ouais. Okay. Bonsoir, bonsoir. MSP, commandant. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, du coup, je peux savoir vous êtes qui du coup? Parce que j'étais pas là au dispatch. Je suis le commandant suprême. Ah, oui. Commandant suprême, très oui, bien. Oui, commandant suprême, oui. Très bien. Oui, très bien. Et bien, MSP, commandant suprême. Eh bien, mes respects également à vous aussi. On va patrouiller Oui, oui. Allez. 5 minutes, pas 26. Commencez pas à me dire, ouais, je les ai pris parce que c'est des meufs. Hein. Je vous jure, ça aurait été des mecs, je vous aurais pris aussi. Ouais, 35 pour 37, je peux avoir 10 ans. Toi-même, Nihao. Au niveau de la route, non, parce que là, on va peut-être. Oh putain, je répète. Commandant suprême, je vous laisse patrouiller en la dame. Je vais rester ici un peu. D'accord, pourquoi? J'étais avec 05. Pourquoi? Je suis parking arrière, attentif. Comme tu veux, mais franchement, je trouve ça gênant qu'on soit un mec et une meuf dans une voiture tout seul. Oui, c'est vrai. Tu peux pas venir 11. Deux meufs? Bah, ok. Ou un autre mec, tu vois, mais genre. Ouais, bah, je viens. Ok, bon, apparemment, il y a des gens qui veulent nous kidnapper, donc j'espère que vous êtes des filles assez vives, d'accord? Oui, pas de soucis. Je voudrais pas juger aux apparences, mais c'est vrai que vous avez l'air super gentil, quoi. C'est vrai. Enfin, pour ma part. C'est bien vrai aussi. C'est quoi vos grades? Officier 1. Officier 2. Waouh. Attendez, vous pouvez vous arrêter, s'il vous plaît, je vais sortir mon arme. Ah oui, bien vu. Merci. Je vais faire la même. 11 pour 05. Jusqu'à transmettre. Je suis actuellement en patrouille avec le quoi commandant suprême. Bah attendez. Vous prenez notre personne s'il vous plaît. Monsieur, pas de soucis, je pars avec l'entrée en Adam. 4, merci. Bon, en gros, je vous explique les filles. Oh, ils ont fait un petit parking, tu vois, ça c'est super ça. Tout à l'heure, je suis venu, je les ai grondés parce qu'il n'y avait pas de parking. Incroyable. Ah, c'est mieux déjà, ouais. Ouais. C'est mieux. Apparemment, il y a des flics qui se font kidnapper. Du coup, ben, on va essayer de se faire kidnapper. Okay. Ah oui, c'est par rapport au jeu illégal. Ouais, hein, quelque chose comme ça, en ouais. En fait, le principe de leur jeu, d'après ce que j'ai compris, c'est que au plus ils PO des flics, au plus ça rapporte des points. Bah alors des points pourquoi, je ne sais pas par contre. Ok. Mais nous on va zoner, on va essayer de se faire kidnapper, et quand ils vont vouloir nous kidnapper, on retourne la situation. Voilà. Okay. Mais s'ils sont plusieurs? Tu me laisses faire, tu t'accroches bien, d'accord? Ok. Je voudrais pas paraître patriarcal, mais est-ce que c'est quoi ton matricule là, avec les cheveux blancs? 23, va derrière, comme ça au moins peut-être qu'ils penseront que je suis tout seul si jamais. Ok. Je dis pas ça parce que les filles, vous devez aller derrière dans une voiture de mec, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, y'a pas de soucis. On est bien d'accord, hein, je suis pas misogyne. Oui, oui.
Non, oui, pas de problème. Ouais, pas de... Moi, les femmes, je les respecte. Ok, ça c'est bien ça par contre. Oui. Moi, je suis pour le droit de vote des femmes. Ça va alors. C'est vrai, les gens à chaque fois ils disent oui, non, les femmes elles devraient pas voter, elles devraient rester à la maison. Moi, je suis pas d'accord. Ah bah, pas plus tard qu'hier, j'ai entendu ça en plus. Je pense que vous pouvez et rester à la maison et sortir pour voter si vous rentrez à temps. Bref. De quoi? J'ai pas trop l'heure 11. J'ai pas bien compris. On doit le prendre comment? Bah plutôt bien, moi je suis féministe quoi. Ah ok. Ouais. À votre manière quoi. Mm. Ici il y a déjà les Marshall si vous voulez. Ouais, je vais voir si tout se passe bien. Calme-toi, Prickle, calme-toi, c'est la police. Punaise. Toujours avec une meuf. Je suis avec deux. Comment ça, toujours? En plus, elle dit ça alors que vraiment, c'est vraiment la première fois que je parle avec quelqu'un. Regardez, lieutenant. Quoi? Regardez. Quoi? Ouais. America. Pardon. Si je peux me permettre, ils vous ont appelé le lieutenant? Oui, par contre, je suis pas lieutenant, je suis commandant suprême. Voilà. Voilà. Excusez-moi, commandant suprême. Ah. Le dispatch a été fait totalement hasard, je suppose. J'ai trouvé là, c'est devant toute seule, j'ai dit bah vas-y, ouais. on va patrouiller ensemble. Beau drapeau américain de tous les côtés là, lieutenant. Bien joué. L'arme à l'œil. C'est super beau, merci à Gavin. Vous avez passé la soirée ici là? Véhicule qui arrive, affirmatif. Monsieur. Bonsoir. Madame, monsieur, reculez. Monsieur, reculez. Allez, on monte. Voiture, prends le volant ou t'as le... C'est bon, prends, j'ai go. Monte. Putain, il fout quoi dans notre bagnole lui? Bah, je sais pas, j'ai pris la première que commandant, j'ai. Commandant, allez-y, ça tire. Oh putain, c'est bon. Commandant, go. On peut aller jusqu'à où là? Avec le commandant jusqu'au Sulax. Bout de la frontière. Jusqu'au. Pas malheureusement, frontière. Tu dois t'arrêter avant chez eux donc bombarde, commandant. Ouais, mais bon, je fais comment pour. Parce que là, il y a une muraille quoi entre eux et moi. Tout au bout, vous pourriez passer. Mais ça va être serré. Toi, tu rigoles vraiment pour rien, Prickle. Il se fait tirer dessus de l'autre côté aussi. Vous avez dit quoi, commandant suprême? Tu rigoles vraiment pour rien, toi? Moi, je suis très très bon public, moi. Putain. Vous avez pas crevé de pneus? Bah, je sais pas, vous m'avez dit c'est le feu. Eh ben, parce que moi, je croyais avoir. Ouais, moi aussi, je pensais aussi. Il est long ce pont! Tant mieux, mais dommage que. Putain! Ah ouais, mais il va plus vite que nous quoi! Il a pris trop de temps à. Est-ce que vous pensez là-bas? Là-bas, il est là-bas de ouf avec les tourelles s'il passe. On va bien voir hein, s'il coopère ou pas. Je suis sûr qu'on n'a pas touché de pneus parce que le véhicule il a mis un gros coup à droite hein. Messieurs, par pitié, aidez-moi! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Ah, arrêtez pas nous! Putain! Pour commandant suprême? Oui, j'écoute. Putain, les cons! Ouais, on est en. Ils vont se faire baiser par. Attendez. Oh. On est là. Mais on reste là, non? Oh, ils sont aussi lents que nous. Ah, dommage. Oh, mais c'est pas possible. Putain, mais comme par hasard, quand j'arrive, il. Madame 93. Putain! T'as chier! Pas besoin de backup. En plus, je voulais tirer, j'ai pas voulu tirer. Oh, putain, je crois que. Oh, bon. Oh. J'en ai marre. Putain! Ah, dommage, allez, on retourne à la frontière, les gars, tant pis. Mais pourquoi j'avais un pont? Et s'ils l'arrêtent là, ils vont nous le donner ou pas? Oui, je pense que oui. Normalement, mais ça se trouve, ils vont négocier. Ah, écoute, sirène. Oh. Ah, pardon. Merde, non, mais je peux passer par derrière de l'intérieur. Hein. Faut descendre. Oui, c'est vrai, mais. Pardon, excuse-moi. Vu la sirène, ils vont le chasser partout, lui. Oh, incroyable. Putain, c'est incroyable, putain! Vive le sirène! Si on peut pas mettre une sirène comme ça? C'est bien ce qu'ils ont fait avec les barrières là, faudrait qu'on le fasse. Et nous aussi on a un truc comme ça. Mais... On l'a fait mais plus civilisé. Je pense. On va les plagier, les gars. Non mais c'est pas civilisé eux, commandant. T'as dit quoi? Commandant, on est je sais pas où là, c'est pas civilisé eux, nous il y a des plots, c'est beau. Ah bah s'il y a des plots, c'est beau alors, c'est bon. Vous voyez comme j'attire la merde partout où je vais? C'est fou quand même, non? Ça va encore. Bah, là, c'est la première fois que je patrouille avec vous, donc je ne sais pas. Ouais, ben vous allez le voir. Par contre, vous nous avez abandonné, c'est pas cool. Je suis désolé, en effet, c'est vrai que. Heureusement que je suis rapide. C'est vrai que ça, par contre, ça va.
Si on est amené à patrouiller ensemble de temps en temps, je suis souvent alpagué par les criminels. Ah ok. Vous abandonnez. Ben ouais, j'y vais, je téméraire. Oh mais la Phénon elle va plus vite. Oui c'est une fusée la Phénon. Ouais. Je peux faire les trottoirs. Incroyable. En fait la Phénon c'est lent à démarrer, mais quand ça part hein. C'est incroyable. Vous avez bien ça va, ça a bougé en ville Vous avez pas patrouillé? Bah non, on était à l'académie. On était à la... Ah ouais, merde, je suis même pas passé vous voir. Toute la soirée. Ah oui, c'est nouvelle. Vrai. Non. Non, vous êtes formatrice. Mais non, vous êtes officière, bah oui. Oui, c'est vrai que je devais passer vous voir, je suis même pas passé vous voir. Ah mais y'a pas de si, on retient. Bah ouais, je suis désolé. Ouais. Y'a pas de si. Oh, mais c'est pas grave, hein. Demain vous y serez? Non, demain je suis pas là, mais... Oui, demain, oui. Oui, on y sera encore pendant deux jours, là. Enfin, d'accord. Demain et après il y aura les... Résultats. Les résultats, ouais. Oui. Bah c'est mieux de le... Franchement, les barrières, je trouve ça mieux que les plots, moi. Ah, si je peux me... En grosso modo... Ça va, bon. Faut comprendre les... Vous l'avez là-bas? Ouais, j'ai pas fait esprit romain, s'il te plaît. Ok. En grosso modo, les plots. Ça les force à aller dans une seule ligne. Et là, à chaque fois, il y a une voiture qui les bloque ici. Mais attends, mais elles sont parties avec ma bagnole là? Oui. Qui est parti avec ma bagnole là? Elle arrive là, elle arrive ici. Arrive, j'arrive. Ah, ok, d'accord. Par contre, y en a, il est parti avec le SUV Marshall et il est plus jamais revenu. Ah oui. Je crois qu'il s'est fait. Non, c'est Lane et Pierre, c'est les deux. Mais il devait revenir parce que nous, Ça va, quand est-ce qu'il est assez tard pour qu'on aille sur Valorette ou. tu vas chialer encore là? Comment ça, je vais chialer encore, commandant? Comment ça? Attends, pourquoi vous parlez de Valorant? Je comprends pas, commandant. Viens là, ma belle. Toi et moi, on va se faire la belle, d'accord? Attendez, faut que je vous parle. Quoi? 559. Hein. 559, trop tard. J'ai pris les devants, mon pote. Bravo. Mais si tu veux attendez, pas. Attendez, montez, je recule. Non, si, je vais venir, montez. Ça fait longtemps que je peux jouer. Montez, je vous parle. Ça, j'ai envie de vérifier un truc pour voir s'ils sont vifs, la milice. T'as un autre perso ou pas? Ouais, j'en ai plein. Pour voir si eux ils sont vifs et la milice sont vifs. Non, s'il te plaît, je veux jouer à Valorant. Oui, mais ça va prendre deux secondes et ils vont nous abattre, les bâtards. Oui, c'est bon. Ah, commence à mettre un message pour les autres, ils viennent jouer avec nous. Ouais, j'arrive. Attends, je reviens. Ah, bah c'est bon, je suis là. Oui, changer de perso, mais je suis au même endroit. C'est qui lui? Ça, c'est Walter. C'est bon, perso, il est trop armé celui-là. Attends, je prends des balles au cas où. Putain, et moi je bug. Aïe. Aïe. T'as des balles? Tu veux des balles de quoi? De pistolet. J'ai un scorpion si tu veux. Donne-moi des balles de pistolet. Je pense prendre le scorpion que j'ai. Nique ta mère, c'est qui? Je veux un pistolet, donne-moi des balles de pistolet. Oui, mais vu comme ils sont armés, ça le bâtard. Je veux des balles de pistolet, frère. Et c'est sur moi. Non, mais je bug. Attends, je te donne. On va pas leur tirer dessus. Si, on va les tuer. Si, on s'en fout. On va, le but, c'est de mourir. Ok, alors attends, donne-moi une M4 et des balles de M4, s'il te plaît. Non, c'est quoi, donne-moi un pompe. Donne-moi un pompe et des balles de pompe. On fait quoi? On fonce direct, eux on les esquive, on se bat avec la milice ou on se bat avec les marchands? Bah vas-y, on improvise. Tu conduis toi? Vas-y. On conduit toi. Ah ouais? Tu me dis juste qu'on descend de tirer. Vas-y, je fonce, on est là. D'accord. Je pense que le premier barrage, on fonce, on s'arrête au milieu, on leur tire un peu dessus, on remonte. Vas-y. Et on se fight avec la milice. Vas-y. Oui. On les grille. Ok. Oh là, je suis touché.
Oula, je suis touché. Ah, barrage, on descend, on les allume. Attends, il faut qu'on les allume un peu. Mais non, ils ont même pas touché un pneu, ces trous de balles. Attends, je me heal. Monte. Baisse-toi. T'es l'air pas pire. Oui, je sais déjà le faire. Et là, tu fonces la milice. On descend, soit avec la milice. Oh. Mais par contre, la milice, on va essayer de digérer le plus possible. Ok, vas-y, ça marche. Attends, je prends mon pompe dans les mains. T'as bien leur retirer un petit peu dessus? Non, je peux pas, moi! Bloqué! Ah oui, merde. Fils de pute, moi, tu... Aïe! Aïe! C'est un fils de pute! Aïe! 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 Allez, messieurs. Oh là. On leur tire dessus ou pas? Oui, oui. Aïe, c'est bon, on se rend. On se rend. Aïe. Aïe, une évidence, dépêchez-vous. Je sais pas si je l'emporte avec moi, Rise. Des suspects à notre allée. Oui. Je crois bien que oui. Je vais baisser directement, putain. Oui! Oui! Ah ouais. Ouais, ça peut aller, ouais. Je vais te relever. 37? T'as quelque chose pour... Il est au sol. Oh. Putain, je bug! Je vais enlever son gilet. Je vois pas de son. Ouais, il a juste un espace. Je t'ai pris bien. Ok, vite. Suis-moi, vite. Monsieur, arrêtez-vous. J'arrive. Monsieur, s'il vous plaît, main en l'air, US Marshall. J'arrive. Descendez de cette barrière, monsieur. Les mains en évidence. Je m'appelle Walter. Vite, en direction la milice, on demande un asile. D'accord. Non, pitié, moi je vais à Valorant, j'en peux plus. C'est quoi? Viens, moi je vais à Valorant, ça y est. Ouais, on va faire un peu à la milice, après on... Vas-y, on va faire un peu à la milice, vas-y. Vas-y, John. Je bug, je peux même pas le kick. Je suis bugué les gars. Il m'a fait bugger exprès. Allez, viens, John. J'essaie de te kick, j'arrive pas. Je peux pas bouger. Je suis bugué. Je peux pas bouger, je suis complètement bugué, je te jure. Attends, viens. Je ne peux rien faire, j'ai la souris en plein milieu de mon écran. Je peux pas. Salope, Altap, salope. Non, c'est parce que genre, j'ai le truc pour écrire qui est ouvert mais qui s'ouvre pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Tu vois ou pas? Ouais, je vois le truc à gauche. Ah, parfait, c'est bon, super. Depuis petit, on me fascine. Faut délover pour les filles ou elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai les crocs, ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de me chasser.